et sans doute aussi parce qu'elle est très, très, très pédagogue. Toutes les soirées qu'elle nous a consacrées l'ont prouvé. Et puis, je vais finir par ça. Simplement, n'oubliez pas que nous aurons tous à parler à nos patients quand on va revenir au cabinet avec des mots simples et avec des mots sûrs. Carole, je te laisse la parole. Merci beaucoup, André. Je viens de réaliser, du coup, que sur la première slide, il y a une faute d'orthographe qui es-tu, EST. Et ça, c'est le piège, c'est pour vous prouver que j'ai vraiment fini 10 minutes avant. Du coup, voilà. Donc, du coup, je tiens à m'excuser, déjà dire bonjour à tous. C'est juste dingue de se retrouver chacun chez soi et tous ensemble. Donc, voilà, je trouve ça assez incroyable. Très honnêtement, je suis censée faire une conférence aussi, normalement, un webinaire de régénération osseuse. Et je vous avoue que les conditions actuelles et tout ce qui se passe, j'arrive pas à avoir envie de parler de régénération osseuse. J'ai du mal en ce moment à penser à des choses ultra techniques de notre pratique dans le contexte, en fait, dans ce qu'on vit. Et c'est vrai que du coup, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à tout ça. Et du coup, j'ai pas mal bossé, et notamment toute cette nuit. C'est-à-dire que j'ai vraiment fini cette conférence 10 minutes avant de vous la partager. Et du coup, forcément, la petite faute qu'on est là, c'est la première qu'on voit, ce ne sera pas la dernière, parce que c'est la conférence la plus neuve du monde. Et vous allez voir aussi la plus éphémère. Du coup, pour faire simple, vous voyez que je la fais depuis mon lieu de confinement. C'est la première fois que sur une conférence, je ne mets pas le lieu de la conf, évidemment. Et du coup, voilà, donc il faut savoir que je suis là, dans ce petit département entouré de verre qui est la Savoie. C'est un petit paradis. Là, c'est des images de Benoît qu'il a faites en drone. C'est juste merveilleux. Voilà. C'est juste pour le plaisir des yeux, pour se rappeler qu'on est sur une planète qui est merveilleuse et magnifique. Alors là, du coup, au-delà de cette double peine, j'ai encore une peine, c'est de devoir vous dire que ce que je vais vous dire aujourd'hui, il y aura forcément des choses qui ne vont pas correspondre. En fait, il faut accepter que dans tout le savoir qu'on croit avoir, mais forcément, il y a un caractère extrêmement éphémère et un caractère d'illusion d'optique en même temps. C'est-à-dire qu'on est tous soumis, on est tous sujets à avoir accès à un savoir comme ça n'a jamais été. Le savoir évolue en plus à une vitesse qu'on n'a jamais eue. Hein, c'est génial. Et en même temps, on a tous tendance à absorber l'info, à avoir une boulimie d'informations dessus ou, à l'inverse, de tout rejeter. Alors, juste pour savoir, quand même, le savoir, c'est quelque chose de merveilleux, mais c'est quelque chose qui se balance entre quelque chose d'ultra focalisé, des croyances, avec de temps en temps des recherches qui sont dans le mille, de temps en temps qui ne sont pas dans le mille. Ça me permet de vous dire que, pour ceux qui me connaissent, toutes les illustrations de cette présentation, sauf quelques schémas, auront été faites par mes petites mains ces derniers temps. Faut imaginer ce que je disais de façon un peu plus illustrée, que la connaissance, c'est le fruit de ce qu'on arrive à éclairer sous le regard de son expérience. Donc, c'est forcément limité par les capacités d'exploration qu'on a, la vision qu'on a, les premiers préconcepts qu'on a et la façon dont on va analyser. Alors, il suffit d'aller dans un musée d'art moderne et d'écouter quelqu'un parler d'un tableau pour se rendre compte que l'interprétation peut prendre beaucoup de place. Voilà. Alors, on va se débarrasser tout de suite d'un vrai problème, hein. Il y a un vrai petit problème politique autour du Covid. Donc, on va se débarrasser vite fait de ce problème, histoire de dire deux, trois faits. Le 6 janvier, Euronews, ils savaient que c'était un nouveau type de coronavirus et ils étaient en train de lancer le scanning de tout le patrimoine génétique avec l'Institut Pasteur. Et du coup, il faut savoir quand même que le 6 janvier, on était déjà au courant de beaucoup de choses. On était tellement au courant de beaucoup de choses, tellement que les Taïwanais nous avaient fait une alerte le 31 décembre, avaient prévenu l'OMS. Et on savait ça jusqu'à un tel point que le 30 janvier, l'OMS a refait une alerte en reparlant d'une flambée de pathologies de coronavirus. Évidemment, comme d'habitude, ça part de la Chine, ce type de pathologie, puisque les dernières émergences sont parties de la Chine. Et en Chine, c'est un pays où on arrive à dire qu'on fait 10 000 greffes d'organes par an, quand c'est en fait 90 000. Il y a du vol d'organes, du commerce d'organes. Et on s'est rendu compte le 30 mars que la différence entre les nombres officiels et officieux de décès en Chine n'était pas tout à fait les mêmes. Du coup, j'en profite pour rendre hommage au docteur Li, qui était
papa et dont la femme était enceinte. Il avait 34 ans. Et en fait, il est manifestement mort, peut-être du Covid, dans tous les cas. Il est mort d'avoir fait partie des lanceurs d'alerte qui ont tous été menacés dans les 24 à 48 heures. Voilà, il faut imaginer que ça ressemble à ça. Et du coup, on a un gros nombre d'informations. Et ça, il faut en parler. Alors aujourd'hui, la carte du monde, elle fait un petit peu peur, hein, parce que je pense que le virus connaît beaucoup mieux la planète que nous-mêmes. Et ben voilà, il aime voyager, hein, il prend l'avion beaucoup plus que nous. Et en fait, ça évolue à une vitesse qui est assez intéressante. C'est vrai que quand on voit tous les diagrammes, on découvre ce que c'est être logarithmique. C'est-à-dire que le logarithme, c'est devenu, je crois, le mot, un enfant de 3 ans aujourd'hui va savoir ce que c'est, un logarithme. Alors, on est en France, hein, faut remettre le contexte de cette épidémie en France et de cette pandémie maintenant, où les hôpitaux souffrent énormément depuis 25-30 ans. Hein. Ce n'est pas du tout les derniers qui ont fait ça. C'est une belle politique de 47 ans. Il y a 20 ans, quand je finissais la fac, je faisais partie des promos qui étaient déjà, qui savaient déjà qu'on allait être pas assez nombreux. Enfin, on sait tous ces problèmes. Et le problème, c'est qu'ils sont en train de continuer à abîmer tout le système de santé, même nous en libéral. Hein, je ne pense pas qu'on fasse pour nous aider, pour améliorer la qualité. On est dans des évolutions qui sont que quantitatives et pas qualitatives. Et je pense que ça fait partie des choses qu'il faut dénoncer. Il faudrait peut-être profiter de cette énergie-là, commune, collective, avec les hôpitaux, pour réexpliquer un petit peu que voilà, c'est comme les hôtels. Il n'y a pas que des 1 étoile, il n'y a pas que des 5 étoiles. Il faut un petit peu de tout, mais voilà, tout ne peut pas marcher pareil. Ça me fait mal au cœur de voir comment on fonctionne et ça me fait mal au cœur de voir les hôpitaux, clairement. Alors, ce coronavirus, c'est un bêta-coronavirus. Il y a 4 types de coronavirus. Alors, ça, c'est un des grands types de virus. Il y a plus de 300 000 hein, espèces de virus qui existent. Il faut savoir que les principaux coronavirus qu'on connaît, hein, dans cette forme de couronne, c'est le SARS, dont on a beaucoup parlé, qui était le premier qui a fait cette épidémie, qui, heureusement, n'a pas pris l'ampleur qu'on a connu le SARS-2. Après, c'était le MERS, et puis maintenant, donc, on est au SARS-2, le COVID-19. Il a eu plein de noms, c'est normal, il est tout neuf, et l'histoire n'a pas eu encore le temps de tout nettoyer. Il faut savoir que c'est des petits virus qui font partie d'un groupe de plusieurs centaines probablement de virus, ils ont plus de 8000 ans, hein, et donc forcément, ils sont sur l'homme, mais pas que, vous allez voir ça, ils sont en très grand nombre dans la nature, ils ont des virulences évidemment très variables, hein, ça va de petits rhumes au syndrome respiratoire aigu, avec les chocs immunitaires dont on va parler tout à l'heure. Ils sont tout petits, hein. Faut imaginer qu'ils font de l'ordre de 100 nanomètres, hein, c'est-à-dire c'est 1000 fois moins qu'une cellule. Ça vous donne une idée de la taille. Hein. Voilà. On est dans du 0,0001 mm, pour ceux qui aiment bien avoir des petits repères. Alors juste pour comparer, il faut toujours savoir qu'est-ce qu'il y a à côté comme autre type de virus, hein, les principaux connus. Ben, c'est grippe ou influenza, pour ceux qui regardent tout ce qui est du bout, l'OMS ou Ebola, hein, qui fait là, il y a plein de types de virus évidemment différents, avec chacun leur spécificité. On va faire un cours là-dessus. La transmission, vous savez qu'elle est directe ou indirecte entre les individus, hein, donc ça, c'est pas nouveau. Et heureusement, ce qui nous sauve, c'est qu'elle est spécifique d'une espèce à l'autre. Ça veut dire qu'on a des récepteurs cellulaires qui ne sont pas les mêmes quand on passe d'une espèce à l'autre, parce que forcément, notre code génétique va coder pour des protéines différentes. Et du coup, ces virus n'ont pas la porte d'entrée pour entrer dans les cellules. Donc, pour qu'un virus soit pathogène, il faut impérativement qu'il se reproduise dans des cellules. Donc, il faut qu'il puisse être au contact de l'autre receveur, il faut qu'il puisse être au contact du type de cellules sur lesquelles il peut avoir un récepteur et la clé pour pouvoir pénétrer dans la cellule. Puis après, il faut qu'il puisse capturer le système génétique et de synthèse protéique et de réplication du génome de la cellule. Et ce qui nous sauve, en fait, c'est que il y a une barrière d'espèces. Et par contre, évidemment, il y a une telle réplication, il y a un tellement grand nombre de virus. Alors, il y en a à ADN, d'autres à ARN. Et les virus à ARN simple brin, vous savez bien qu'ils ont plus de modifications puisqu'il n'y a pas de système de réparation. Alors, il y a a priori une protéine qui limite les erreurs de réplication au niveau des bases, mais ça ne sera jamais aussi performant que de l'ADN double brin. Donc là, on est sur des virus qui ont quand même des évolutions dans le temps probable, et quand on va mélanger certaines espèces avec d'autres espèces, etc., mais en fait, ça fait tous ces problèmes au niveau de la transmission, du coup, qui devient impossible de l'animal à l'homme. Hein. On retrouve ça aussi avec les grippes aviaires. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la plupart du temps, ça reste de l'animal à l'homme et ça ne devient pas une pathologie de l'homme à l'homme. Et là, ben, c'est ce qu'on a su début janvier,
c'est que au fin décembre, même la transmission de l'homme à l'homme était validée. Voilà, donc globalement, ces bêta-coronavirus, vous voyez qu'ils infectent les oiseaux, les mammifères. Je vous rappelle juste que c'est un mammifère, hein, pour ceux qui ont, et je vous ai mis des petites espèces, des petites bébêtes qui ont servi d'intermédiaire. Alors évidemment, on a affaire à un virus qui a une contagiosité qui est extrêmement élevée. Hein. C'est un virus qui est extrêmement contagieux par rapport à quelque chose qui ne peut pas créer d'épidémie. C'est-à-dire que tant qu'on est en dessous de 1, on ne peut pas créer d'épidémie. Par contre, dans les virus contagieux qui peuvent créer une épidémie, c'est ce qu'il y a de moins contagieux. C'est-à-dire que c'est cette espèce de double tranchant. C'est à la fois suffisamment contagieux pour permettre une épidémie, mais en même temps, ça a une évolution qui est suffisamment simple. Et ça, clairement, ça nous rend bien service. Alors, quand j'ai fait un sondage, vous savez, j'imagine tous que j'ai créé un sondage il y a 2 jours sur Google, et qui a permis d'avoir à peu près, je crois, 470 réponses, qui est juste génial. Je vous avoue que j'ai fait certaines captures d'écran cette nuit, donc peut-être que les 40 derniers ne sont pas dans les stats, mais globalement, ils n'ont pas changé radicalement les pourcentages. Ce qui est sûr, c'est que la plupart des personnes, 75% des personnes qui pensent avoir contracté le Covid, qui ont répondu du coup à ce questionnaire, ne savent pas comment ils l'ont attrapé. Ça veut dire que cette contagiosité, l'air de rien, dans la vie de tous les jours, et pourtant on est affaire à plein de profils différents de personnes du coup, qui étaient au courant, qui étaient informées qu'il y avait ce virus. Hein. Globalement, la plupart des personnes l'ont contracté après le mois de février, donc tout le monde en avait entendu parler, même dans la presse régionale, ils en parlaient. Quasiment, les 3/4 des personnes ignorent complètement comment ils l'ont contracté. Et ça, en fait, c'est un signe qui est pas anodin, parce que au départ, on a entendu tout et n'importe quoi sur ce virus. Alors, je vais faire hyper vite, mais moi, j'ai eu un électrochoc, en fait, il y a 3-4 semaines, quand j'ai lu un très très bon article du Quotidien du médecin qui faisait la première mise au point un peu sur ce virus. Et je me souviens très bien qu'alors, j'ai attrapé ma tablette graphique et j'ai fait ce dessin des 3 singes là, qui se touchent les yeux, le nez et la bouche pour parler des zones de contamination. C'était ce qu'on pensait à l'époque. Aujourd'hui, on pense aussi qu'il y a de l'eau fécale, il y a d'autres choses. On s'est rendu compte que c'est peut-être pas aussi simple que ça. Et sur les stades très avancés, on peut retrouver aussi des virions au niveau du sang, mais un tout petit pourcentage. Et a priori, c'est des virions qui seront probablement inactifs. Quoi qu'il en soit, quand on a eu cet article du Quotidien du médecin, je me souviens très bien avoir partagé une espèce de mise à jour et sur laquelle je répétais bêtement, hein, parce que moi je fais que réfléchir, analyser, lire et synthétiser et parfois illustrer les connaissances. Je parlais de la durée de vie de ce virus et je me souviens de certaines réactions qui étaient extrêmement virulentes de certains confrères, c'est-à-dire qu'on n'était pas prêt à entendre, personne n'était prêt de comprendre et d'accepter que c'est un virus qui pouvait survivre plusieurs heures sur une surface neutre. Alors, parlons pas de plusieurs jours. Là, on peut même avoir des doutes sur est-ce qu'il est vivant ou pas le virus, mais personne n'était prêt à accepter ça. Personne n'était prêt jusqu'à il y a peut-être une semaine ou deux à comprendre les micro-droplettes dans l'air et de comprendre leur potentielle contagiosité. Il faut imaginer que le nombre de presque qu'on aura eu cette histoire est consécutif. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on en est à penser qui pourrait presque se transmettre par la respiration. Aujourd'hui, on est en train de mettre en exergue une très probable contamination oropharyngale. Et du coup, forcément, dans ce contexte d'une pathologie qui commence à être transmise quand on est asymptomatique et qui continue à être transmise une fois qu'on a l'air d'être guéri, qui va être un ensemble de germes qui vont survivre une durée complètement inhabituelle sur les surfaces, ben nous, on est obligé de comprendre que ça va changer radicalement notre vision des choses. C'est-à-dire qu'on a rarement eu un pathogène qui résiste aussi longtemps sur une surface. Heureusement, dès qu'on met un peu d'oxygéné, un peu de javel, il est très facilement éliminé. Les UV, on sait, vont l'éliminer, mais on ne sait pas à quelle vitesse. Donc ça fait partie encore, on a plus de choses à découvrir que de choses qu'on connaît, hein, évidemment. Mais on se rend compte que globalement, on a plusieurs facteurs pour avoir une épidémie qui soit extrêmement sournoise. La première, c'est qu'on va avoir des personnes contagieuses qui sont asymptomatiques avant et après les symptômes. Et on a un pathogène qui va survivre en l'air et sur des surfaces d'une façon complètement atypique. Alors, au niveau de l'immunité,
clairement, aujourd'hui, il n'y a rien de clair. Ça veut dire qu'on a beau regarder toutes les choses un petit peu sérieuses, le pronostic de l'immunité innée, ce que va apporter l'immunité innée, c'est ce qui va vraiment donner votre meilleur pronostic de santé. C'est-à-dire quelqu'un qui est infecté, qui a une très bonne immunité innée, va très bien combattre le virus et ne va pas développer de symptômes très marqués. Quelqu'un qui a une immunité innée très faible, et je vais vous expliquer quels sont les facteurs de cette immunité après, en partie, vont forcément développer des signes beaucoup plus marqués, voire vont aller vers des complications, dont la pire est le choc ou l'orage cytokinique. Voilà. Donc, sur ce virus qui est forcément très récent, l'immunité acquise à long terme, on a des doutes. On a des doutes sur les effets protecteurs des anticorps et on a des doutes par rapport aux capacités de mutation du virus. Certaines personnes disent qu'il n'y a que deux souches, d'autres personnes SCL, d'autres personnes pensent faudrait brancher. Je vais avoir une peine d'ordinateur en live, ça va pas être top ça. Ok, c'est bon. On sait qu'il y a beaucoup de virus qui vont avoir des mutations élevées. Celui-là, je suis désolé, ça m'a fait perdre un tout petit peu le fil. D'autres personnes sur d'autres cibles qui vont scanner l'ARN des virions suivent une centaine de souches. Donc, en fait, il faut savoir que là-dessus, à l'heure actuelle, on ne sait rien. Tu bosses ? Il y en a qu'on entend bien. Pourquoi tu n'es pas payé ? Il faudrait couper le micro, Julien. Il faudrait couper le micro. Non, puis c'est bon, là. On va rembourser tout ça. C'est ça tu me prends un café avec un sucre. J'arrive pas à le couper. Ça marche ou pas ? Bon, c'est pas grave. Alors, c'est Julien qui a la main pour couper les micros. Continue, vas-y. Non, mais c'est pas grave. Alors, du coup, vous voyez, j'ai repris pas mal de tableaux. J'ai essayé d'avoir des tableaux qui ont tous maximum 3 jours par rapport à aujourd'hui. Donc, forcément, c'est pas une présentation. Déjà, j'ai jamais su qu'un jour je parlerais de virus. C'est la grosse surprise. Et du coup, forcément, là, on est dans une science éphémère. Du coup, toutes les données, toutes les stats, etc., il fallait qu'elles soient extrêmement récentes. Donc, globalement, on sait que le taux de mortalité est faible. C'est impossible de le nommer. Il est entre 0,6%. Et 4%. Et tous les taux qu'on voit supérieurs à 4%, c'est parce qu'on ne dose pas tous les porteurs sains. En fait, toutes les personnes qui sont faiblement symptomatiques ou asymptomatiques ne sont pas comptabilisées, et c'est ce qui explique des taux de 10%, etc. Par contre, il faudra aussi voir après s'il y a une deuxième vague, s'il y a des retours d'immunité, etc. Ça sera un autre problème. L'indice de contagiosité, je vous en parlais tout à l'heure, il est globalement comparable aux pathologies qui créent des épidémies, mais pas les plus méchantes. Et le proportion de cas critiques, en fait, hein, c'est les personnes qui vont avoir besoin d'un service de réanimation, c'est 6%. Et vous savez tous que du coup, si on est tous confinés, si on fait un webinar aujourd'hui, c'est tout simplement parce que les services d'urgence et les services de réa, surtout, ils ne sont pas extensibles. Et du coup, une fois qu'ils sont pleins, et souvent les personnes qui sont dedans, tant qu'ils ne meurent pas, ils restent 15 jours, 3 semaines sous ventilateur. Et alors que la demande augmente de façon exponentielle. Donc, en fait, c'est juste pour garder des places parce qu'on va pouvoir en sauver entre 1 sur 3 et 2 sur 3, globalement, en réa. Donc, forcément, cette proportion de cas critiques, du coup, ça va expliquer un pourcentage de décès qui va être de l'ordre de 1,5%, 2%, voire 3, 4%, et le taux de décès va augmenter si on sature. Voilà, ça, vous le savez tous. Après, la mortalité est surtout plus sur les 80 ans, plus les hommes, et plus les pathologie associée, mais sans en reparler. Bon, ce virus, globalement, il a une structure qui est extrêmement simple. Hein, il a une belle capsule tout autour. On a un ARN au milieu qui a un brin positif, c'est-à-dire que dès qu'il rentre dans la cellule va pouvoir le coder. Il va servir à avoir des prothèses qui vont venir dessus pour synthétiser au niveau du cytoplasme les différentes protéines. Et à sa surface, vous voyez qu'il a 3 types de protéines d'enveloppe qui peuvent créer des réactions de type anticorps, mais la principale, celle qui nous intéresse, c'est celle qu'on appelle la spike glycoprotéine, la protéine S. C'est une protéine un petit peu spéciale, vous voyez, parce que c'est une protéine de surface, et cette protéine de surface, elle va pouvoir interagir avec les cellules de l'hôte qui sont pourvues de récepteurs, qui sont appelés les récepteurs ACE2, et en même temps qui ont une protéase spécifique. C'est-à-dire qu'il faut que la cellule receveur n'ait pas seulement le récepteur à l'angiotensine, mais également une protéase, une enzyme protéique qui va pouvoir couper cette spike. Et une fois que ça coupe
cette protéine spike, cette protéine en surface du virus, elle va pouvoir adhérer et pénétrer pour libérer le génome à l'intérieur de la cellule, ce qu'on voit sur ces magnifiques images 3D. Voilà. Donc, en fait, on voit bien la pénétration, hein, l'arrivée du virus au niveau de la membrane cellulaire, la fusion. Là, vous avez le ribosome. Ça rappelle plein de choses. Alors, les ribosomes qui vont pouvoir lire et coder. Là, on est dans le réticulum endoplasmique de la cellule. On est vraiment sur des structures qui sont extrêmement paranucléaires. Ça veut dire que c'est toutes les structures... Ah, pardon. Et je suis en train de me planter complet. Je suis désolé. Là, vous êtes... Je reprends du coup. Là, vous êtes au niveau du virus, de l'ARN, de la première paroi, de la deuxième enveloppe et des protéines de surface. Et en fait, ces protéines de surface que je vous disais, celle qui nous intéresse, la principale, c'est la spike, qu'on appelle la S, plus simplement, celle qui va dépasser le plus, et celle qui va interagir avec les récepteurs ACE, les récepteurs à l'angiotensine, au niveau des cellules qui vont du coup être les cellules qui seront contaminées par le virus. Donc, c'est globalement, dans un premier temps, les cellules des voies respiratoires. Et évidemment, après, il y a celles au niveau des parties plus profondes qui vont dans les bronches au niveau pulmonaire. Mais également, vous allez voir bien d'autres cellules comme des myocardiques, musculaires et même au niveau du cerveau. Voilà. Donc là, on a la pénétration, le ribosome qui est en deux parties qui va pouvoir lire l'ARN directement, c'est un ARN positif. Là, on est dans le réticulum endoplasmique qui, du coup, est un réticulum endoplasmique granuleux. Et le réticulum endoplasmique, c'est la structure, je vous disais, qui est paranucléaire et qui permet de fabriquer des protéines à partir du code génétique. Voilà. Et donc là, on voit le phénomène magnifique, hein, où le virus utilise les capacités de synthèse de la cellule pour se répliquer à l'intérieur. Et là, on voit en fait l'alvéole pulmonaire dans lequel vont s'augmenter, se répliquer, se multiplier les virus. Et on voit que le poumon va être de moins en moins fonctionnel, il va devenir inflammatoire. Donc là, vous avez toutes les parties ciliées, tous les cils. L'absorption, la réaction inflammatoire, l'exsudat. Et là, si vous toussez, vous allez réussir à cracher une partie, mais forcément, ça va compliquer. On va vers la complication. Voilà. Ça, c'est un petit schéma pour vous rappeler. Ce que je vous disais, c'est que la spike doit être coupée en deux par une protéase pour pénétrer dans la cellule. On va faire vite là-dessus, c'est pas la chose la plus passionnante. Mais pour résumer, il faut savoir que ces cellules qui ont le récepteur ACE2, donc le récepteur à l'angiotensine qui est nécessaire pour la pénétration du virus, on l'a dans l'épithélium évidemment buccal, oropharynx, les cellules ciliées pulmonaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos cellules ciliées vont souffrir, vont servir de multiplication pour les virus, et vos cellules qui fabriquent le mucus vont plus pouvoir, le mucus fabriqué par les cellules ne va plus pouvoir être éliminé aussi correctement, ce qui crée une auto-amplification du problème. Les cellules myocardiques en sont aussi, et les cellules du revêtement digestif sont aussi riches en récepteurs ACE2. Bon, après, il y en a même sur les testicules, etc. Et là, on ne connaît pas tous les fonctionnements par rapport au virus. Donc, ça, c'est des choses qu'on va découvrir après. Ça, c'est le petit clin d'œil au niveau bronchique. Pour ceux qui adorent l'histologie, on voit bien les cellules ciliées, les cellules à mucus. Et ça vous rappelle après le mucus qui doit être éliminé par les cellules ciliées. Forcément, plus les cellules ciliées vont être décimées, et moins on va pouvoir éliminer le mucus. Le virus se reproduit, ça s'auto-amplifie, et après on va avoir une réaction inflammatoire plutôt négative. Donc ça, c'était un petit rappel, hein, je pense que ça parle à tout le monde, c'est de bons souvenirs. Et puis après, il faut savoir que du coup, ce virus, les personnes infectées, on va pouvoir les tester. Alors, il y a deux types de tests. Le premier test, qui est le test immédiat, hein, c'est le PCR, Polymerase Chain Reaction. C'est quoi? Ça veut dire qu'on va récupérer des virus ou du matériel génétique de viral par un frottis, que ce soit au niveau nasal ou au niveau anécovillage pharyngé, ou ça peut être un frottis nasal, des crachats ou un lavage bronchoalvéolaire, aussi une petite faute. Et en fait, on s'est rendu compte que la fiabilité de ces tests était extrêmement variable. Et vous voyez que le frottis nasal, c'est quand même 63% de fiabilité seulement, c'est quand même pas terrible. Et donc, à part le lavage bronchoalvéolaire, surtout dans les stades avancés, les autres tests ne sont pas fiables. Donc, quand on dit il faut tester, oui, mais voilà, ça c'est la première remarque. Moi, un test qui a globalement près de 50% de faux négatifs, je ne suis pas hyper fan. Après, il faut savoir que ce virus va se retrouver dans les muqueuses, évidemment, dont on parlait. Et puis, comme c'est beaucoup de récepteurs au niveau digestif, on va en retrouver dans les selles.
dans quasiment 24% des cas, on va en retrouver jusqu'à 12 jours après la fin des symptômes. Dans certaines études, c'est jusqu'à 20 jours après la fin des symptômes. Et après, évidemment, on va en retrouver sur la surface contaminée. Donc, ça permet de faire des tests sur les zones de surface. Il se trouve que le seul liquide humain dans lequel on n'est pas retrouvé de traces virales, c'est les urines pour l'instant. Ça veut dire que dans les autres, pour l'instant, au niveau des tests, ils en ont trouvé à peu près partout. Au niveau sérologique, on va pouvoir faire des tests sérologiques dans pas très longtemps. Hein. A priori, beaucoup de sociétés sont quasiment prêtes et ont les autorisations de développement, de marche, et tous les tests ont été faits. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la fiabilité du test sérologique est extraordinaire une fois que la phase de réaction immunitaire du patient a eu lieu. Ça veut dire que 15 jours après les premiers signes, ben, le patient a eu le temps de fabriquer les anticorps et du coup, forcément, on va avoir une fiabilité de l'ordre de 100%. Par contre, un primo-infecté, quelqu'un qui vient d'être en contact, la fiabilité est de 0% à J0. Voilà. Par contre, le gros espoir, ça va permettre de faire un déconfinement progressif et nous, ça nous servira probablement au niveau des cabinets pour tester les patients et peut-être au début s'orienter vers un traitement des patients à sérologie positive. On peut dire beaucoup plus là-dessus. Vous savez tous que certains pays ont beaucoup plus testé que d'autres. Donc, globalement, mon ressenti personnel là-dedans, et ça ne reste qu'un ressenti personnel, c'est que les tests ont énormément de sens au tout début de l'épidémie dans un pays. C'est-à-dire que si au tout début, tant qu'il y a très peu de patients, tester les personnes autour pour isoler, mettre en quarantaine tout de suite les personnes et savoir qui on laisse sortir de quarantaine ou pas, là, ça a du sens une fois que c'est un petit peu partout et quand on est dans un confinement qui est censé normalement être un confinement globalement efficace, ça a beaucoup moins de sens de tester parce que tester, ça ne veut pas vous empêcher d'être ou pas. Et on est censé tous se comporter comme si à la fois on était asymptomatique et qu'on ne voulait pas le donner. Et on doit tous se comporter comme si on avait conscience que toutes les personnes autour de nous étaient potentiellement asymptomatiques et pouvaient nous le donner. Le problème, c'est que tant qu'on est en pleine forme, qu'on a tout qui va bien, c'est parfait. Mais si vous le redonnez, vous le transmettez à quelqu'un qui va avoir des comorbidités, là, ça peut devenir beaucoup moins drôle. Il y a quand même 20% des personnes qui vont être hospitalisées. Il y a quand même 5-6% des personnes qui vont aller en réa. Et il y en a entre 1 sur 3 et 2 sur 3 qui vont décéder. Donc, ce n'est pas rien. Et par rapport à ça, ça demande un tout petit peu de jugeote. Alors, évidemment, les statistiques, aujourd'hui, on est tous devenus des super statisticiens. Là, je vous ai mis les deux mêmes courbes d'une étude qui est extraordinaire. Parce qu'il y a tellement de choses aujourd'hui qu'on a des données qui sont vraiment, vraiment très agréables à étudier. Et là, je vous ai mis les mêmes mesures, mais dans un cas, dans l'axe, c'est une mesure logarithmique, côté gauche, et à droite, c'est une mesure qui est linéaire. Et si vous voulez voir quelque chose d'exponentiel et prendre conscience de ce qui est réellement exponentiel, attention au tracé logarithmique. On va mieux voir les différences. Par contre, on ne va pas se rendre compte de l'explosion du nombre de cas. Donc, moi, je vous recommande de plutôt regarder les mesures en logarithmique. Moi, dans tous les cas, ça me donne beaucoup plus conscience de ce qui se passe. Alors, ça, c'est que des choses que vous pouvez tous avoir sur Internet. Vous avez plein de liens. Je vais vous partager, si vous voulez, après, beaucoup de liens, d'articles et puis de sites comme ça où on peut retrouver les trackings. Mais ce n'est vraiment pas compliqué à avoir. Et donc, je pense que tous ceux qui sont curieux sont déjà allés les lire et sont déjà allés les voir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des personnes comme Pierre Paperon qui régulièrement prennent les datas du Financial Times, qui fait un gros travail d'épidémiologie et qui recapent, qui remettent les courbes par rapport à des zones de départ en considérant qu'on attend d'avoir eu 3 morts par pays et en marquant dedans quand est-ce qu'il y a eu le confinement, etc., les plateaux. Et là, on se rend compte qu'il y a des... À part la Chine, il ne faut jamais la regarder parce que ça ne correspond à rien. Mais on se rend compte quand même qu'il y a une cohérence même entre la France, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre. Après, c'est sûr que le pic possible de décès par jour de l'Angleterre fait un petit peu peur. Mais là, on a le fruit du début du choix darwiniste qu'ils avaient fait. Là, il y a un site que je vous recommande qui est lafib.info, qui a une méthode d'analyse qui fait peur. Vous voyez ces tableaux-là, personne n'a envie de les lire. Alors, je les ai synthétisés avec une partie qui m'intéressait particulièrement, qui était mettre en parallèle le nombre de décès par million d'habitants, le nombre de lits d'hôpital par million d'habitants et le nombre de lits de soins intensifs par million d'habitants. Et on se rend compte globalement que ceux qui ont beaucoup de lits de soins intensifs ont beaucoup moins de mortalité. C'est évidemment pas le seul facteur, mais il y a manifestement un facteur dedans.
Alors, on va parler d'un autre sujet qui fâche, le masque. Hein, je pense qu'on ne peut pas parler de Covid et ne pas parler des masques. Je pense que pendant un bon petit moment, ceux qui nous gouvernent ont eu la tête dans le sable. Ils n'ont pas voulu voir la réalité juste parce qu'il y a eu un problème de stock. Et ça, c'est un vrai souci parce que ça crée des discours, ça crée des mensonges, ça crée des non-dits, ça crée des choix stratégiques pour un impact qui est vraiment choquant. Alors, j'ai fait évidemment une question hein, dans le sondage sur qu'est-ce qu'on pensait du manque de gel hydroalcoolique et de masques. Et moi, j'ai été choquée qu'il n'y ait que 76% des gens qui trouvent ça scandaleux. Il n'y a que 76% des gens qui trouvent ça scandaleux. Ça veut dire qu'il y a 20% des personnes, 24% qui ne sont pas scandalisées par le fait qu'il n'y ait pas de masque. Parce qu'à la limite, ils pouvaient tout à fait assumer qu'il n'y ait pas de masque. Il n'y en a pas plus aujourd'hui. Mais ils pouvaient dire, attention, on n'a pas de masque. On a déconné avec les réserves d'État. Alors que depuis toutes ces années, depuis 2002-2003, on savait qu'il y aurait une épidémie comme ça qui sortait. Tous les modèles épidémiologiques savaient qu'une épidémie comme ça allait sortir. Je vous recommande la magnifique conférence, la TEDx de comment il s'appelle celui qui a fait Bill Gates sur les virus. C'est une conférence qu'il a faite il y a à peu près 5-6 ans. Et clairement, le discours, ils savaient tous qu'il y aurait une épidémie comme ça, un coronavirus qui allait venir et qui un jour serait plus gênante. Et c'est vrai qu'en 2005, ils ont voté pour les stocks qui ont été augmentés après, puis qui ont été diminués, puis diminués, 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 peu importe. Mais il fallait dire aux gens, c'est une contamination aéroportée qui passe par la respiration, qui passe par les postillons. Il fallait dire aux gens, au moins, mais protégez-vous tout de suite, mettez des masques, même si c'est des masques en coton, etc. Aujourd'hui, tout le monde est venu là-dessus. Alors aujourd'hui, vous voyez, je vous ai ressorti une petite étude d'Anne-Laure Lebrun de 2014 hein, qui avait vu que les postillons et les micro-gouttelettes allaient à plus de 6 mètres de la personne qui allait les avoir. Donc, je pense qu'on est loin de tout découvrir aujourd'hui. Par contre, aujourd'hui, on est en train de tout redécouvrir avec des moyens qui n'ont jamais été mis. Donc ça, c'est génial, des moyens notamment de partage. Parce qu'avant, il y avait plein de choses géniales qui étaient faites. Est-ce qu'on avait ces connaissances? Est-ce qu'on allait vers ces connaissances? Ben, manifestement pas. Et ça n'a pas servi pour les grippes, ça n'a pas servi pour beaucoup d'autres choses. Et aujourd'hui, il y a un avantage énorme à tout ce qui se passe, c'est que ça va servir à beaucoup d'autres choses. Et vous voyez ces super vidéos qui montrent que les micro-gouttelettes, elles vont rester en mouvement et 20 minutes après, elles sont toujours en mouvement dans la pièce. Et du coup, c'est ce qui est un des modèles qui permet de penser qu'il y a des contagions comme cela. Et c'est, je vous rappelle, sur le sondage, vous êtes 75% des gens à ne pas comprendre, ne pas savoir quand est-ce que vous avez pu être contaminé. Moi, perso, je l'ai eu, je pense. Je n'ai pas fait de test, mais j'ai tous les signes pour l'avoir eu. Je suis incapable de vous dire quand est-ce que j'ai fait quelque chose à risque pour l'avoir. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, on met en avant le fait d'avoir des masques artisanaux pour les patients qui n'ont pas le choix, pour toutes les personnes qui n'ont pas les masques comme nous, et même pour nous, parce que je pense que tout le monde n'a pas des réserves éternelles. Par contre, vous voyez bien que si on n'a pas un FFP2 en termes d'efficacité, ben c'est compliqué. C'est compliqué. Et ces mesures-là sont importantes. Par contre, pour la vie de tous les jours, ben on se rend compte qu'un masque maison, un masque torchon, déjà, il va faire une énorme partie du travail. Il va éviter justement ces 6 mètres de projection. Ça, c'est quelque chose qui est compliqué parce qu'évidemment, ben, la meilleure blague cette année, c'est que le 1er avril aura été le dernier jour où s'est arrêtée cette fameuse blague. Et moi, je vous avoue, j'ai moyennement vécu parce que ça paraissait une évidence depuis le début. Voilà. Enfin, ils finissent par reconnaître. Alors, quels sont les impacts de ce virus au niveau de la santé, en fait? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de la pathogénie de ce virus? Mais en fait, globalement, on se rend compte qu'il y a 30% des personnes, on pense, on imagine, on soupçonne, qui n'auraient pas du tout de symptômes. C'est-à-dire des personnes qui ne se rendent même pas compte qu'elles ont été contaminées et même pas compte qu'ils sont contaminants et qui vont créer une immunité assez rapidement. Ceux-là, ils ont une immunité innée très très bonne et c'est formidable. Après, il y a plein de personnes, et ça, je ne sais pas vous, moi j'en ai énormément autour de moi, dans les confrères, j'ai reçu énormément de messages, ça fait partie des choses qui m'ont fait beaucoup réfléchir à tout ça. Il y a énormément de personnes qui ont ces fameux symptômes légers, voire légers, un peu plus, puisque j'ai dans mes contacts des personnes qui ont dû être hospitalisées et j'ai dans mes amis d'amis ou dans la famille d'amis des personnes déjà qui sont décédées, ce qui n'est pas la chose la plus rigolote. Et ça, forcément, on peut s'y attendre. Mais globalement, vous voyez, le ratio, c'est de l'ordre de 30% de personnes, il semblerait hein, qu'il n'y ait rien. Ça, on le saura seulement au bout peut-être d'un an et quand on aura vraiment vu tout ça.
Mais vous voyez bien que cette pathologie, elle va avoir trois phases. La phase zéro qui n'est pas décrite, que j'ai décrit moi, je me suis un petit peu autorisé ça, qui est la phase rien, qui va considérer tout le monde au début et qui va considérer les vraiment non symptomatiques, s'ils existent en zéro symptomatique, sur toute leur phase. Après, il y a la phase 1 qui reste une maladie virale et vous allez voir tout à l'heure que la phase 2, c'est une maladie inflammatoire. Et ça explique beaucoup de choses, mais en même temps, ça fait écho à d'autres pathologies qu'on peut retrouver par rapport à Ebola et même par rapport à certaines personnes qui vont décéder de la grippe. Donc, en fait, ça va expliquer pas mal de choses qu'on avait. Alors, j'ai regardé par rapport aux sources, ça avait été repris par BFM, mais c'est les sources de l'Institut Pasteur du ministère de la Santé et de l'OMS, quels étaient les symptômes du coronavirus. Ça, c'était seulement il y a un mois et demi. Et vous allez voir que par rapport au sondage déjà que j'ai lancé, sur lequel vous voyez, il y avait 470 réponses cette nuit quand j'ai fait des captures d'écran, en fait, il manquait pas mal de choses. Il manquait beaucoup d'éléments. Et les éléments qui manquent, vous voyez bien, c'est déjà la fatigue qui n'est pas décrite, alors qu'il y a quand même une fatigue qui va de modérée à forte dans plus des deux tiers des cas. Il manque la conjonctivite et les yeux qui grattent. Il manque les brûlures de la muqueuse nasale, c'est plus de 20%. La perte d'odorat, il manque la perte de goût, il manque les troubles digestifs. Et il manque la perte d'appétit. Et tout ça, c'est ce qui manque sur un schéma qui n'a qu'un mois. C'est pour vous dire à quelle vitesse ça change. Et je vous ai mis à côté du schéma, donc, on va dire, du mélange des données Institut Pasteur et de l'OMS, je vous ai mis les pourcentages des réponses de ce qui a été donné par rapport aux personnes qui ont répondu au sondage. Donc, il faut remettre dans le contexte un sondage de personnes qui sont globalement non hospitalisées et qui sont des personnes symptomatiques, ou peut-être dedans, il y en a qui ont eu un vrai syndrome grippal qui n'était pas un Covid, puisqu'il n'y a pas eu de test pour nous. Donc, du coup, on ne sait pas. Il y a une forte probabilité de Covid. Ouais. Alors, quand j'ai demandé à tout le monde si la pathologie était constante ou s'il y avait eu des rechutes, les trois quarts des personnes, ce n'est pas constant, c'est des rechutes. C'est-à-dire qu'il y a plus de 60% des personnes qui ont eu des phases de bien, des phases de moins bien, des phases de mieux et des phases de moins bien encore. La plupart des personnes, vous allez voir, ça a tenu longtemps. Alors, il y a 40% des personnes qui ont répondu qui pensent ne toujours pas être tout à fait guéries et débarrassées. Et quand on regarde le petit tableau que j'ai refait sur la durée qui a concerné les personnes, il y a quand même 15% des gens qui ont eu moins de 3 jours, on pourrait dire que ce soit les vrais asymptomatiques. On se rend compte que la plupart des personnes, c'est presque globalement entre 1 et 4 semaines, avec un pic vers les 2-3 semaines, sachant que au bout de 3-4 semaines, il y a encore 18% des gens qui sont symptomatiques. C'est-à-dire que presque au bout d'un mois, il y a une personne sur 5 qui a encore des symptômes. Et il faut savoir qu'à la fin des symptômes, on peut encore avoir 2-3 semaines des sécrétions de virus au niveau des selles notamment. Vous voyez que là-dessus, on a encore beaucoup à découvrir. Alors, ce Covid, il va agir au niveau des voies respiratoires, digestives, mais aussi au niveau du système nerveux central et du système cardiovasculaire et des reins. Et ça, c'est vrai que ça change un peu tout, parce qu'au niveau du système nerveux central, il faut imaginer qu'il y a un neurotopisme, il y a une affinité des bêta-coronavirus, pas du tout uniquement le Covid, hein, c'est vrai pour le STRAS, le MERS, et donc malheureusement aussi pour le Covid-19, et ça peut provoquer des dégénérescences neuronales. Alors, heureusement, ce n'est pas chez tout le monde, mais vous voyez que c'était une publication de 2014 qui avait montré que ces coronavirus respiratoires pouvaient être neuro-invasifs et être franchement neurovirulents. Et alors, on ne sait pas comment ils deviennent virulents, on ne sait pas par où ils passent, on ne comprend pas comment ça se passe. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est ce qui explique manifestement l'anosmie et l'agueusie. Ça veut dire que l'absence d'odorat, la perte d'odorat, la perte de goût, elle ne vient pas comme dans un rhume où c'est une inflammation des tissus qui empêche l'air d'aller sur la zone avec sous la lame grivelée de l'ethmoïde, aller stimuler le nerf ophtalmique. Mais c'est en fait une atteinte neuro du système nerveux central. Et c'est ce qui explique aussi les 8% de maux de tête et les 1% de nausées vomissements. Donc, ce n'est pas rien. Et quand j'ai fait le sondage, à la question qui a des maux de tête, globalement, il y avait quand même 50% des personnes, plus de 50% qui ont dit oui, il n'y avait que 40% des personnes qui disaient qu'ils n'avaient rien, pas de douleur à la tête. Est-ce que chaque douleur à la tête est de la neurotoxicité virale? C'est évidemment, on ne peut pas faire ce raccourci, ce serait fou. Mais c'est un signe à prendre en compte, d'autant plus que dans les cas sévères de Covid,
dans les personnes hospitalisées avec les cas sévères, ils ont noté qu'il y avait 88% d'atteinte du système nerveux central. Et ils ont fait des études à l'époque pour le SRAS et le MERS sur des souris. Ils ont retrouvé même des coronavirus au niveau du tronc cérébral des souris. Donc ça détend un tout petit peu. Et c'est vrai qu'on n'en entend pas trop parler, je suis assez étonné. Alors c'est vrai que j'essaie de synthétiser des données, c'est très évident. Au niveau du système digestif, vous vous êtes rendu compte que beaucoup de personnes avaient des problèmes digestifs avec. Vous allez voir, c'est pratiquement sur deux. Ce n'est pas étonnant parce qu'en fait, sur les cellules endothéliales, de l'endothélium intestinal, c'est la même zone qui s'est invaginée. On sait tous qu'au départ, quand on est embryologiquement, on a un blastocèle. Après, on devient un multifeuillé, un trois-feuillé avec l'ectoderme, mésoderme et l'endoderme. Et en fait, quand on se replie, en fait, il y a toute la partie intérieure qui va aller du stomac à la partie colorectale. Et c'est comme ça qu'on est formé. Donc, c'est un appareil, un tractus qui est cohérent au niveau épithélial. Et sur ces cellules épithéliales s'exprime le récepteur à l'angiotensine. Donc, en fait, si le récepteur associé à la protéase, le virus peut pénétrer, ce qui est le cas au niveau digestif, notamment au niveau gastrique et duodénal et rectal. Et il semble fortement exprimé au niveau des entérocytes intestinaux. Et ça soulève, dans tous les cas, un risque de contamination orofécale, mais comme on peut retrouver aussi dans d'autres infections virales. Ils se sont par exemple rendu compte qu'Ebola, c'était une chauve-souris qui était infectée, mais qui allait porteur sain, qui allait projeter via les déjections fécales le virus d'Ebola au niveau de fruits, de plantes qui va être mangé par chimpanzé ou gorille, qui va tomber malade, etc. Et en fait, on se rend compte que c'est un type de contamination indirecte, mais qui est bien réel dans tout ce qui peut se passer. En fait, ils se sont rendus compte que, je vous disais, entre 8 et 20 jours après la fin des signes et des prélèvements respiratoires, du coup, sur des prélèvements respiratoires négatifs, on retrouve encore des prélèvements dans les selles positifs. Voilà. Il faut imaginer que cette absence de signes, ce n'est pas tout à fait rien. Et on s'est rendu compte, je vous disais, qu'il y avait quasiment, dans tous les cas, sur les stats qu'on a fait nous ensemble depuis 3 jours, 41% de personnes qui avaient des troubles digestifs. Donc, c'est loin d'être neutre. Et évidemment, la phase ultime du virus au niveau de la pathogénie, c'est ce choc psychoténique qu'on ne comprend pas forcément, qui en fait correspond à des choses qu'on connaît depuis longtemps, mais qu'on a plus ou moins du mal à expliquer, mais qui explique comment le corps va lâcher au niveau des organes en périphérie. En fait, on sait qu'on va avoir une énorme réaction immunitaire. Le choc psychotinique, ça veut dire qu'on va avoir une libération de médiateurs inflammatoires extrêmes. Les vaisseaux vont devenir perméables. Il va y avoir un exsudat qui va rentrer dans les tissus extracellulaires. Et du coup, il va y avoir une chute de la pression sanguine. Les cytokines libérées sont toxiques au niveau du muscle cardiaque. Donc, le muscle cardiaque va être soumis à des toxines musculaires. Il va avoir moins de puissance. Et en plus, il va avoir moins de puissance pour pomper un sang. Il n'y a plus de pression dedans. Donc, forcément, ça ne se passe pas très bien. Et ça explique pourquoi dans les hôpitaux, ils nous décrivent des personnes qui arrivent avec un tableau qui n'est pas si inquiétant de ça, et ça part très vite, et c'est des personnes qui décèdent très très vite. Le corps, c'est comme s'il attaquait ses organes pour se débarrasser dans un dernier élan d'énergie, essayer de se débarrasser du virus à tout prix en essayant de détruire l'organe. Par rapport à ça, cette réaction immunitaire, forcément, on est tous inégaux, parce qu'on va avoir des expressions différentes des gènes des cytokines qui dépendent beaucoup plus de l'épigénétique que de la génétique elle-même. En fait, il semblerait que le codage soit le même, mais c'est l'expression des gènes, l'épigénétique qui diffère beaucoup d'une personne à l'autre. Et ça, c'est important. Et ça a été prouvé notamment même sur d'autres études où ils ont mis en avant le rôle du complément. Ça, c'est une étude de 2018 où ils ont enlevé les protéines du complément d'un groupe de souris. Et à charge virale identique, il n'y avait plus cette réaction immunitaire et les souris n'allaient plus mourir du SRAS. En fait, on se rend compte du coup que la souris, avec le SRAS, elle n'allait pas mourir du virus, elle allait mourir de la réaction immunitaire qu'elle allait développer. Voilà. Et le complément, vous savez bien que c'est cet ensemble de protéines sériques qui vont permettre de relier l'immunité innée à l'immunité acquise. Et donc, c'est des fonctionnements quand même essentiels à la vie. Pour nous. Voilà. Alors tout ça, pour nous dentistes et pour ceux qui ne sont pas dentistes qui nous écoutent, mais qui ont de toute façon tous des dents et qui auront besoin de se refaire soigner. Nous, on est quand même une des professions les plus exposées. Il y a eu un tableau qui a été parti, je crois que c'est dans l'American Journal, où on est la profession la plus exposée de toutes.
Pourquoi? C'est parce que ben, on est dans un véritable casse-tête où on va utiliser des turbines, des ultrasons, plein de choses qui font un projetage. On n'a pas des praticiens en laboratoire ou des praticiens à l'hôpital qui vont aller faire des écouvillonnages, qui vont faire des actes comme ça. Il y a rarement une brumisation. Et nous, on va créer une brumisation au niveau de la bouche. Alors, heureusement, la bouche, elle n'est pas forcément porteur, mais même si on voulait faire des tests, même si on avait des tests PCR en 3 minutes, ce qui est juste impossible, parce qu'il faut au moins 24-48 heures, parce qu'il faut bien amplifier le patrimoine génétique. Hein, donc, on ne fera jamais une PCR instantanée, ça ne sera jamais possible. Mais en fait, même si on pouvait faire, on a 60% d'échecs de ces PCR. Et quelqu'un qui n'est pas encore symptomatique, qui est déjà infecté, qui est peut-être contaminant, il n'a pas forcément encore les anticorps. Donc, le seul moyen de savoir que quelqu'un est sain, c'est quelqu'un qui a les anticorps. Mais on sait que quelqu'un qui a les anticorps peut être encore contaminant. Vous voyez le casse-tête? Quelqu'un qui est infecté, il va avoir le virus longtemps. Il va l'excréter longtemps. Mais au bout de 10 jours, il a déjà les anticorps. Si vous faites un test sérique, ben du coup, le test, il va être bon. Vous allez voir, ah, il a les IgM, super. Le problème, c'est qu'il a les immunoglobulines qui vont bien, mais qui ne vont pas permettre de dire qu'il n'y a plus de virus. C'est différent. D'un côté, on teste l'immunité acquise. De l'autre côté, on voit s'il y a des réplications virales excrétées. Alors, c'est sûr que nous, ces sécrétions fécales et qu'il n'y en a plus dans la bouche, ça nous concerne moins. Mais on sait que c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Et nous, on a des cabinets qui sont ultra techniques. On a plein de tiroirs. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup, à part en salle de chirurgie, qu'il n'y ait pas des tiroirs derrière eux. Quand vous travaillez, vous ouvrez des tiroirs. Il y en a plein. Il y a des projecteurs. Enfin, la brumisation, même si elle ne va pas réellement à 6 mètres, même si elle ne va pas réellement à 1,50 m, la zone autour, elle est plutôt gênante. Et donc, il y a une vidéo qui a été faite. Alors, c'est une société qui vend un aspirateur de spray qui est ultra puissant, mais qui rappelle à quel point on est sensible, à quel point nos actes, que ce soit les ultrasons, que ce soit la turbine ou contre une bague rouge, vont projeter. Et le problème, ce n'est pas encore ce qu'on voit, parce que sur les images, là, ils ont fait comme dans les films à l'américaine, quand ça saigne, c'est ridicule. Mais il faut comprendre que l'ennemi n'est pas visible. D'accord ? C'est 100 nanomètres. C'est un vrai problème. Et il va rester en suspension, sauf si vous avez une sous-pression, etc. etc. Nous, on n'a que des salles, mais la salle de chirurgie, bon, elle est en surpression. Et ceux qui n'ont pas de salle de chirurgie, elle est en rien du tout. Mais on n'a pas de salle en salle négative. Donc ça, il y a beaucoup de choses par rapport à ça qu'il va falloir analyser. Alors, il y a eu un article dans l'International Journal of Oral Science qui, du coup, en février, hein, a voulu mettre un petit peu à plat ce problème, puisque même en Chine, très rapidement, ils ont arrêté de bosser en stomato. Et en fait, à l'arrivée, on se rend compte quand même que c'est vraiment un casse-tête et que le protocole qui est recommandé, c'est dès qu'il y a un patient suspect, évidemment, c'est même pas on le refuse, hein, c'est il doit partir en quarantaine. Ce qui paraît très logique, la personne devrait s'y mettre spontanément, vu que même sans être suspect, il faudrait déjà faire attention. Eux, ils recommandent une prise de température sans contact systématique. Nous, ça, on ne fait même pas, ils ont carrément des caméras thermiques dans les moyens de transport. Là. Eux, ils font faire un questionnaire systématique. Et si tout est bon, là, ok, on dit le traitement est possible. On ne va pas dire on traite, youpi, youpi. On traite, mais en prenant des mesures de protection. Ça veut dire des lunettes de protection, ce n'est pas juste les petites lunettes habituelles, un masque FFP2, des gants, un calot, etc. Et tout ça, en sachant le mettre correctement, en sachant qu'il faut rajouter l'utilisation de bains de bouche avant soin et que les bains de bouche avec chlorhexidine ne marchent pas bien. On s'est rendu compte que ce virus, en fait, il survivait facilement à la chlorhexidine, alors qu'un fibroblaste va mourir à de la chlorhexidine diluée par sang. C'est vraiment injuste, mais c'est comme ça. Évidemment, pour ceux qui font de l'endo, en mettant la digue, le risque ne sera jamais très, très grand. Puis, ça rajoute un dernier problème qui va être la gestion des déchets. Quand on voit les protocoles qu'ils utilisent juste pour faire des prélèvements, nous, à côté, avec les actes qu'on fait, on est des petits joueurs. Alors, je m'étais amusé le 30 mars, vous voyez, à faire ce petit schéma où je me disais, mais en fait, le non-sens, c'est qu'on va pouvoir traiter beaucoup moins de patients à l'heure. C'est-à-dire que, je ne sais pas quand on va reprendre, mais quand on va reprendre, ça va être progressif. Il va falloir se réhabituer les assistantes, revoir le planning, sélectionner les patients, être capable d'avoir un patient qui vient et de se dire « Ah ben zut, je vais avoir un trou de 2 heures », programmer des gros rendez-vous, il va y avoir un travail de secrétariat énorme, tout le monde n'a pas une secrétaire. Ça veut dire que là, on avait une économie avant globalement hein, qui était ce qu'elle était. La peur du confinement, elle met l'économie à mal, pas pour nous, hein, pour tout le monde.
Et l'économie, on ne sait pas comment elle va repartir. On va en parler après. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne va pas repartir en deux secondes. Le nombre d'actes qu'on faisait, forcément, il s'est arrêté du jour au lendemain du confinement. Ce n'est pas trois urgences que font certains qui vont garder du nombre d'actes. Et la reprise du nombre d'actes, au début, elle va être lente. Elle va un petit peu augmenter. Elle va y avoir un plateau tant qu'on n'a pas le vaccin. Et puis après, progressivement, au fur et à mesure, ça va marcher en espérant qu'on ait un vaccin. Et ça, il y a d'énormes espoirs. Il y a plein de voies. A priori, il y a déjà des vaccins qui marchent. Mais un vaccin qui marche aujourd'hui, avant d'être a priori exploitable, c'est 12 à 18 mois. Donc, ça reste quand même un sacré délai dans lequel nous, je ne sais même pas comment on peut gérer notre situation, nos charges. Pourquoi ? Parce que dans nos cabinets, on va avoir plus de consommables qu'avant. On va augmenter avec des surblouses étanches, on va avoir des surchaussures pour tout le monde, on va avoir plus de consommables, on va devoir avoir plus de jetables au niveau des plateaux, on va devoir plus travailler avec des trays, etc. Et là-dessus, on va devoir travailler avec une assistante de plus minimum. On ne pourra pas ne pas être tout le temps à quatre mains, parce qu'on ne pourra pas se retourner enlever les gants tous les fers pour attraper un truc dans un tiroir. Et idéalement, il faudrait presque faire comme en chirurgie avec une assistante d'aide opératoire et une propre mais non protégée avec le même niveau de protection et avec des zones dans le cabinet. Donc tout ça, c'est juste imaginaire, c'est pas évident, mais on se rend compte que c'est un peu mythique. Ça veut dire que la seule issue, ça serait de ne soigner que les personnes qui soient PCR négatifs et anticorps positifs. Voilà. Et ça, ça sera pas évident. Parce que c'est des tests qui vont coûter certes pas très cher, ça sera 60-70 euros peut-être le test, mais qui vont demander dans tout cas une PCR de 2 à 3 jours 4 jours, le nombre de tests est limité, je sais pas, faut voir, j'espère que ça pourra bien se faire. Ils parlent de 800 000 tests en juillet, c'est bien. Après, nous, je pense qu'on est quelques-uns à avoir envie de bosser avant juillet. Il y a pas mal de patients qui ont envie qu'on bosse avant juillet, il y a des problèmes qui nous attendent pas. Alors évidemment, ça nous amène à un petit problème d'argent. Et un problème d'argent, c'est aujourd'hui difficile de ne pas parler de Gaël Giraud, hein, qui est un chercheur économiste au CNRS, qui est très intéressant à écouter. Mais lui était déjà pessimiste avant. Vous avez vu à gauche, dans là, je vous ai mis un article du 29 décembre. Bonne année à tous. Cet article du 29 décembre, il mettait globalement, je ne vois pas comment nous pourrions échapper à une nouvelle crise. Et globalement, bon, voilà, des arguments, il en a pléthore. Et il est évident qu'il y avait beaucoup de signes avant-coureurs que même s'il n'y avait pas eu le SRAS 2, il allait avoir des problématiques à gérer. Quand on regarde l'évolution du CAC 40, on se rend compte que ça ne va pas. Il faut savoir que la bourse en Chine a pris un énorme coup le 6 février. C'est-à-dire que le 6 février, il y avait une évidence. Et puis après, il y a eu un regain. Parce qu'en fait, ils ont parié sur d'autres choses, sur l'avenir, etc. Des choses que nous, on n'est pas capable de faire. Il faut savoir que c'est eux qui vont tout nous vendre. C'est déjà eux qui nous vont. L'État nous a parlé de 45 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous, ça vous parle. Moi, ça ne me parlait pas du tout. J'ai fait un petit rapide calcul pour savoir qu'est-ce que ça représentait. Et en fait, ça représente 1,8% du PIB, les amis. C'est pas fou. Et surtout que le nombre d'aides est faible. La plupart des gens, les aides d'État, c'est 1500 euros, alors qu'en Allemagne, c'est 5000 euros. Et que nous, ce qu'ils proposent, c'est de lisser, hein, vous avez tous lu ça, ils proposent de lisser les charges. Alors, juste un petit détail, vous voyez sur ce schéma, quand même, il faut savoir qu'en 1995, c'était 1 milliard à peu près. Et en fait, la dette du PIB a passé le... Vous m'entendez bien ou pas? C'est fluide? Parce que moi, il a marqué la connexion Internet n'était pas fiable. C'était une petite alerte sur mon ordinateur. La dette du PIB a dépassé les 100% valeur symbolique à la fin de l'année dernière. Il faut savoir que tout ce qui se passe là, ça va faire chuter le PIB. On ne sait pas de combien. On ne peut que imaginer. Et il faut savoir que la BCE a déjà racheté une grosse partie de la dette, etc. Bref, c'est des calculs très complexes. Je ne peux pas rentrer dedans. Vous voyez, j'avais fait ça le 23 mars. Quand je fais tous ces petits bricolages, en général, je mets la date. Parce que quand je sais que je dis une bêtise, je veux savoir à quel moment j'ai dit forcément une bêtise. Ça la remet dans le contexte. Ah, il y a des copains qui ont redessiné sur l'écran. Je vais essayer d'effacer les notes. Ce serait pas mal de désactiver le... de désactiver le gribouillage. OK. Alors, a priori, il n'y a plus de gribouillage. J'essaie juste maintenant d'enlever la barre de menu. OK. Les confrères et les personnes qui ont répondu au sondage, j'ai demandé qui pensait qu'il faudrait annuler les charges et pas les lisser le temps du confinement. Parce qu'en fait, toutes les personnes sont confinées qui ont une perte totale du travail. En fait, là, on est en train d'accumuler des charges, d'avoir aucune entrée, et à la reprise,
on va pas pouvoir travailler ne serait-ce qu'à 70% de ce qu'on faisait avant. Et tous nos frais sont calculés par rapport aux bénéfices quasiment de l'année dernière. Donc, en fait, il va y avoir un vrai problème mathématique. Je sais pas vous, moi, j'ai 12% de bénéfices. Je veux dire, mathématiquement, ça peut pas marcher. Et du coup, c'est pas des valeurs sur lesquelles un emprunt va pouvoir marcher parce que ça nous imposerait de revenir à une situation qui va nous amener au burn-out alors qu'on est censé embaucher plus de monde. Si on embauche plus de monde, on va libérer l'économie. Si on les embauche pas, on augmente les chômeurs. Donc, je pense qu'il y a une vraie voie à prendre là-dedans. Et j'espère que c'est ce qu'ils vont faire. Pour l'instant, ce n'est pas du tout ce qu'ils ont l'air de vouloir faire. Alors, la durée totale de confinement acceptable à laquelle vous avez bien voulu répondre, il n'y a que 40% des personnes qui disent qu'il faut le temps qu'il faut. Donc, malheureusement, c'est vous qui avez raison, les gars. C'est, il faut le temps qu'il faut. On ne peut pas choisir ça et ça dépend de beaucoup de choses. Ou alors, on accepte le darwinisme. On accepte que si on ressort tout, on prend une deuxième vague. Ceux qui ont de la place en urgence, ils ont de la place. Ceux qui n'ont plus de place en réa, il n'y a plus de place. C'est comme ça, il y aura plus de décès. Et on accepte d'avoir toute une tranche de population fragile avec une polycomorbidité qui décède. C'est un choix, hein. C'est entre de l'économie et de l'humain, c'est un vrai choix. Dans tous les cas, l'OMS, sur un papier qu'il y a une semaine, prévoit trois crises, hein, une de gouvernance par rapport à ce qu'on fait aussi, nous, un peu tout le temps. On va juger les politiques, on va demander des comptes. Il y a une montée du populisme, comme à chaque fois qu'il y a ces événements. Il va y avoir une crise économique, parce que forcément, il va y avoir une recrudescence énorme de chômage. On en entend déjà beaucoup parler, baisse de revenus. Du coup, ça va être une baisse des dépenses et de la consommation qui va entraîner une baisse consécutive des débuts, enfin, les effets dominos. En plus, tout le monde va devoir travailler plus. On était déjà tous au taquet, il faut être honnête. La plupart des personnes n'étaient pas ouvertes. On bosse tous trop. L'idée, c'était de réussir à bosser moins. Ça ne va pas être facile. Et il y a la dernière crise qui va être une crise qui n'est que renforcée, qui a commencé en 2015, qui est la crise migratoire. Et on sait qu'avec le réchauffement climatique, etc., ça ne fait que se renforcer. Alors, je ne pouvais pas parler du Covid sans parler du traitement. Et parler du traitement, ben forcément, c'est mettre les doigts dans quelque chose dans lequel je n'avais pas du tout envie de les mettre. Mais j'ai une bonne nouvelle, parce qu'il semblerait que le débat est en train d'évoluer de façon un peu plus neutre, un peu plus belle. Il faut sortir des guerres d'ego et des mises en avant, mais il faut rentrer dans un petit peu plus d'analyse. Ce qui nous a amené et ce qui a amené les Chinois et ce qui a amené le professeur Raoul et toute son équipe et les 700 personnes qui sont derrière à conseiller l'hydroxychloroquine, c'est quoi? C'est les actions antivirales. Ça ralentit la pénétration du virus, hein, au niveau de la fusion des membranes et ça fait une glycosylation des récepteurs cellulaires du virus. Donc, ça limite. C'est comme ça que ça limite. Et en fait, il y a aussi une action anti-inflammatoire et qui comme celle qu'on a dans le lupus, et elle a l'air extrêmement favorable dans la deuxième phase de pathologie quand même. Ça veut dire que ce qu'on n'imaginait pas utile, même dans les phases un petit peu avancées, est potentiellement utile et favorable. Vous voyez, en fait, là-dessus, on n'est pas devin. Et puis, vous voyez, dans les analyses et dans les mesures de la sécrétion du virus, pour l'instant, c'est tôt pour en parler, donc il faut en parler, il faut analyser. J'ai un énorme respect pour ces personnes-là qui font de la recherche et qui avancent. Mais voilà, de notre côté, nous, quand on n'est que des personnes qui sont des accessoires de santé par rapport à eux, moi je me sens inutile en ce moment, c'est une catastrophe. Mais évidemment, moi je ne peux que écouter et réfléchir, je ne peux pas faire plus. Au niveau de l'hydroxychloroquine prise par les personnes qui ont répondu au questionnaire, il n'y a que 1% des personnes qui en ont pris. Et vous avez vu qu'il n'y a que 40% des personnes qui pensaient ne pas être tout à fait sorties. Et il n'y a personne, quasiment, il n'y a eu que 1,5% des personnes hospitalisées. Vous savez, il y a des personnes qui ont répondu au test. Il y a eu par contre 4% des personnes qui ont pris de l'azithromycine. Et j'ai reçu pas mal de messages qui disaient que ça avait fait beaucoup de bien assez rapidement pour des effets parallèles antiviraux qui limitent les surinfections bactériennes qui représentent peut-être 20% des complications sur des infections bactériennes virales au niveau pneumo. Donc, c'est peut-être par rapport à ça. Alors, je m'étais amusé à faire un petit dessin, parce qu'en fait, le seul vrai danger de l'hydroxychloroquine, à part quelques autres effets, c'est un problème cardiaque. Hein. Vous savez, nous, quand on donne, par exemple, de l'Atarax et du métronidazole, il y a risotorcept de pointe aussi, et c'est l'intervalle entre le Q et le T. Donc, il faut faire très attention sur la période de confinement. Voilà. Il faut savoir qu'évidemment, ce n'est pas les seules recherches, et que, comme dit cette phrase, patience is not the ability to wait, but the ability to keep a good attitude while waiting. Et ça, je pense que c'est une phrase qu'on devrait tous méditer. Il faut tous qu'on reste un petit peu plus serein, qu'on garde une belle attitude pendant cette période de patience. On a tous besoin de patience, le temps de comprendre, de découvrir. Tout ce qui arrive là est nouveau.
Il y a une évolution des connaissances du jour au jour. On oublie qu'une semaine avant, on ne savait pas. Si on regardait ce qu'on faisait il y a un mois, on délirait. Il y a un mois, on n'était pas encore confinés. Moi, tous mes confrères voulaient aller bosser. Ils étaient taqués. Ils disaient, mais on ne va jamais me faire fermer le cabinet. J'ai survécu au SIDA, j'ai survécu à tout. On ne va pas me faire fermer pour une grippe. Il faut savoir que tout ça, c'est quand même plutôt confusing pour tout le monde. Dans tous les cas, je suis pour les recherches multicentriques. Après, ça ne veut pas dire que l'unicentrique a tort. Il faut savoir, vous avez bien vu que, en fait, quand on parlait de rien, d'hospitalisation, de décès, en fait, on parle bien de la même pathologie et des conséquences. On parle des conséquences qui vont beaucoup dépendre des individus. Donc là encore, le patient est extrêmement important. C'est le même virus. Ça va dépendre de l'hôte et après de la gestion. Mais en fait, l'intervention médicale, clairement, elle ne sert que dans 15% des gens. Et la plupart du temps, c'est une ventilation. Donc là, on a un rôle de conseil à avoir. On a un rôle de conseil parce qu'on sait que le microbiote a un rôle capital, par exemple. Il faut savoir que les études qui mettent les liens entre le microbiote et le SARS, ou comme on avait entre le microbiote et la grippe, hein, qu'on avait sur beaucoup d'infections depuis longtemps, il y a eu beaucoup de travaux dessus, de publications. Ce microbiote, qui fait de l'intérêt aujourd'hui de tout le monde, c'est quand même un autre organe de notre corps qui fait 2 kilos. Hein. Alors certes, ce n'est pas nos cellules, mais c'est extrêmement connecté avec nous. Et du coup, il ne faut pas le prendre à la légère parce que ça participe à tout, dans la cicatrisation, même dans notre ossification, dans l'ostéoporose et aussi dans l'immunité. Donc en fait, on sait que le risque et le taux de surinfection pulmonaire va dépendre aussi du microbiote. Parce que quand on est malade, quand on est fatigué, donc quand on attrape ces virus, on va aussi se dérégler. On va avoir une dysbiose. Le microbiote digestif va souffrir et comme il va souffrir, il va moins bien fonctionner, il va moins bien synthétiser toutes ces enzymes dont on a besoin et donc on va avoir une chute immunitaire. Il faut savoir que le jeûne et les pertes de poids aggravent ces processus. Donc le jeûne, je ne vais pas rentrer dans le débat, il y en a qui pensent que c'est génial, il y en a qui pensent que c'est un drame. On ne se pose même pas la question aujourd'hui, il faut juste se dire le jeûne dans une période infectieuse d'épidémie. C'est niette, tout comme la perte de poids, c'est niette. On mange bien, mais si on n'a plus d'appétit, on se met une certaine forme de pression. Il faut avoir conscience que tous les phénomènes de défense du poumon dépendent du microbiote intestinal. Ensuite, pour lutter contre la dysbiose, il faut comprendre que nous, quand on a fait le questionnaire, il y avait 40% des personnes qui ont répondu qu'avaient des troubles digestifs et 30% qui avaient une perte de l'appétit. Donc, en fait, ça a un vrai impact majeur pour tout le monde et on le sous-évalue. Donc, il faut favoriser tout ce qui est bon plus que jamais. Il faut bien dormir, bien manger, ça veut dire extrêmement équilibré, extrêmement varié, favoriser son microbiote et éventuellement s'aider avec des compléments alimentaires. Et évidemment, à l'inverse, il ne faut rien de mauvais, pas de stress, pas de jeûne, pas d'alcool, pas de tabac, vous le savez. Pourquoi une alimentation variée ? Règle d'un tiers, vous savez tous que si on n'est pas flexitarien, on va avoir plus de carences protéiques, on va faire que le corps fonctionne moins bien. Aujourd'hui, même sur les sites de vegan, ils expliquent que si on est enceinte, etc., ou si on doit cicatriser, il faut prendre des compléments. Voilà. Donc, il y a quelques petites recommandations en bas. Je vais laisser lire, mais tout le monde le sait. Donc là, on enfonce des portes ouvertes, mais il faut le rappeler parce que peu de personnes le suivent. Il faut savoir que les carences, c'est 80% des personnes et c'est silencieux. La carence en vitamine D, tout le monde en parle. Tout le monde oublie que ce n'est pas que l'os. La vitamine D, c'est un puissant immunomodulateur. Et ça joue aussi sur toutes les autres pathologies qui vont avoir des liens sur les terrains à risque du Covid. Donc, le lien n'est pas anodin. Par contre, la vitamine D, qu'on soit d'accord, c'est surtout pas une macrodose, c'est uniquement du soleil ou des microdoses et des apports nutritionnels, foie de morue, etc. La vitamine C, il faut savoir qu'elle est extrêmement utile au niveau du système immunitaire, savoir qu'elle est stockée au niveau des leucocytes. C'est pas pareil, vos grand-mères vous donnez de la vitamine C quand vous avez la grippe. Comme je dis toujours, ce n'est pas pour faire la fête sous la couette quand on vous donne la vitamine C quand vous êtes malade, c'est pour aider et pour compenser la vitamine C, le leucocytaire. En plus, c'est un puissant antioxydant. Donc, ça sert non seulement à la cicatrisation, quand vos tissus sont en souffrance, ils doivent en même temps cicatriser et se défendre, mais en même temps, ça va augmenter la biodisponibilité du fer qui va servir à l'oxygénation de vos tissus. Et forcément, c'est un moment où on en a particulièrement besoin. Voilà. Évidemment, on a besoin d'oméga-3. Donc, il faut augmenter les bons gras, diminuer les mauvais gras. Il faut savoir que les oméga-3 sont des anti-inflammatoires qui n'ont pas d'effet négatif. Donc, autant il ne faut pas prendre d'anti-inflammatoires médicamenteux, autant prendre des anti-inflammatoires de type
probiotiques ou oméga 3, c'est extrêmement favorable. Un petit mot sur les oligo-éléments. Vous savez tous que si on n'en a pas assez ou si on en a trop, c'est toxique, voire plus dangereux. Il y a donc un taux. Il ne faut donc pas en prendre n'importe comment, à n'importe quelle dose. Et quelqu'un qui est encore en magnésium, s'il en prend trop d'un coup, il va avoir la diarrhée, des amplifications des maux digestifs. Ce n'est pas le moment de le créer. Par contre, il est évident que ces oligo-éléments, surtout l'iode, fer, cuivre, zinc, silicium, sont des cofacteurs de beaucoup d'enzymes qui sont toutes nécessaires pour les réplications cellulaires, pour le système de défense et pour le caractère antioxydant. Donc vraiment, j'insiste, c'est capital. Alors, est-ce qu'il faut ou pas prendre des compléments? Ben, moi, je vous recommande d'en prendre en ce moment. Je ne suis pas pour le complément tout le temps. Je pense que c'est la qualité de vie, l'hygiène de vie et la qualité alimentaire qui fait qu'on n'en a pas besoin. Par contre, là, je vous recommande de prendre quand même entre 400 et 1008 vitamine D. Il y a des gens qui vous diront 5000. Ça, il n'y a pas, à mon sens, toutes les études sont discutables. Il faut savoir que la meilleure vitamine D, c'est celle que vous allez synthétiser au niveau de la peau en ayant mangé des carottes, etc., pour avoir de la vitamine A en vous. Donc ça, c'est une évidence et c'est extrêmement nécessaire. La vitamine C, prenez de la cérolaïde, de liposomale, sinon elle va être excrétée. Vous n'allez pas la garder si vous en prenez beaucoup. Et évidemment, vous compensez avec calcium, magnésium, zinc, parce qu'il faut savoir qu'il y a 70% de la population qui manque de magnésium. Et si vous n'avez pas de magnésium, la vitamine D est inactive. Ça, c'est un truc à retenir. 70% de la population est carencée en magnésium, 80% est carencée en vitamine D. Il y a une interrelation. Mais si vous augmentez la vitamine D, vous augmentez la carence en magnésium. Donc, il faut augmenter la vitamine D d'un côté, surtout autogène, et augmenter votre magnésium en même temps pour ne pas être carencé. Et ça se fait progressivement. Moi, je vous recommande, il y a des compléments alimentaires de pharmacie qui sont très, très bien. Et après, il ne faut pas hésiter à prendre des probiotiques pour compenser les prébiotiques alimentaires. Et au niveau du sondage, vous étiez à peu près 30% à prendre des compléments alimentaires en ce moment. Après, la question, c'est lesquels vous prenez. Ça, c'est une vraie question, mais dans tous les cas, c'est plutôt rassurant de voir qu'on est déjà au moins conscience de ses besoins. Alors, si on parle de ce qui est bon, il faut parler de ce qui n'est pas bon. Juste un petit mot, le petit apéro, c'est super sympa, surtout quand on est en FaceTime avec les potes. Il faut savoir que l'alcool va déréguler complètement le microbiote. Ça va déréguler aussi et augmenter les carences. Ça veut dire que l'alcool, surtout l'alcoolisme, c'est 2 verres de vin par jour pour une femme et 3 verres pour un homme. Donc, ça va favoriser une dysbiose buccale et intestinale, plus de pathogènes, moins de lactobacilles. Et du coup, ça augmente, c'est du pro-inflammatoire. Et si là-dessus, vous avez un intestin perméable, ça va favoriser les passages d'endotoxines et vous augmentez les risques. Et ça retombe sur les pathologies cardiovasculaires. Il faut savoir que toutes les personnes qui boivent trop d'alcool augmentent les carences dans tout ce qui est nécessaire chez nous. Donc, en fait, c'est comme si vous essayez de remplir un vase qui fuit. Ce n'est pas intéressant. Il faut vraiment gérer par rapport à ça. Au niveau du tabac, ce que la plupart des personnes oublient ou ignorent, c'est que ça va avoir des actions évidemment à travers la fumée, à travers les toxines, la nicotine, mais ça va aussi, à travers tout ce qu'il y a dedans, modifier l'épigénétique de votre corps. Ça veut dire que tout comme le stress, ça va changer vos expressions de gènes, eh bien, le tabac va modifier plus d'un quart de vos gènes. Vos gènes ne vont pas s'exprimer normalement et ça va nuire au fonctionnement cellulaire. En plus, ça favorise des carences importantes aussi et ça va augmenter le déséquilibre de votre flore digestive. Du coup, vous allez moins bien digérer et vous n'allez pas synthétiser toutes les enzymes nécessaires. Le dernier cadeau, c'est que le tabac va rendre le processus ciliaire moins efficace. C'est pour ça qu'on... D'accord, je couche, si tu veux. C'est là qu'il faut un temps. Je vais couper le micro, les amis. En fait, faut imaginer que plus votre système ciliaire est défectueux, plus vous êtes obligé d'avoir de la toux, plus vous allez augmenter l'irritation et l'agression par rapport à ça. Et les vaporettes sont aussi nocives, peut-être moins que le tabac, mais elles sont nocives. Les dernières études montrent que les deux augmentent les cas de formes sévères. C'est normal, ça diminue l'activité ciliaire, les poumons sont plus inflammatoires, accumulation de macrophages. Enfin, vous avez vu, il y a tout ce qui explique les facteurs de risque pour aller dans plus de pathologies. Alors, pour parler un tout petit peu du confinement, ben on est à peu près 85% à respecter de façon stricte, dont je fais partie. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais je pense que c'est plutôt important dans le contexte. Et on est à peu près 80% à ne pas travailler hors du domicile. Donc, forcément, ça aide, c'est-à-dire qu'on est soit à l'arrêt tout ça, mais il y a quand même 20% des gens qui travaillent hors du domicile et donc qui ont besoin et qui ne peuvent pas réellement respecter ça. Ça, c'est des vraies discussions à avoir. Est-ce qu'il faut ou pas interdire les activités sportives? Il y en a 46% qui pensent qu'il faut tout interdire en activité sportive.
Il y en a heureusement 25% et 25% qui considèrent qu'on peut continuer à faire les activités sportives sauf celles avec risque. Et 25%, même celles risquées, c'est chacun pour sa peau, chacun se débrouille. J'avoue que je crois que c'est dur pour beaucoup qui aimeraient faire se défouler un petit peu, qui sont en carence d'adrénaline en ce moment. Une des questions que peuvent se poser les personnes, c'est à partir de quand on appelle le SAMU. C'est-à-dire que souvent la question c'est, ok, j'ai des symptômes, à partir de quand j'appelle ? Il faut savoir qu'aujourd'hui les téléconsultations ont fait un bond exceptionnel, mais ça ne remplace pas l'appel du SAMU et forcément ça ne sert à rien d'appeler le SAMU si ça doit être une téléconsultation. Ça ne sert à rien de faire une téléconsultation si on doit appeler le SAMU. Le SAMU, c'est si on a un essoufflement. En fait, à partir du moment où on va avoir une vraie difficulté respiratoire, on n'attend pas que ce soit trop grave et on va appeler le SAMU qui va être en fonction de régulateur. Et je vais vous proposer pour finir de prendre un tout petit peu de recul sur tout ça. Tout d'abord, il faut savoir que ces nouveaux virus ont une émergence qui est complètement accélérée ces dernières années, ces dernières 30 années. Et c'est normal parce qu'on a remarqué qu'il y avait des liens directs entre l'émergence de ces virus et les densifications de population. Là, forcément, l'augmentation de la population mondiale est dramatique. La dégradation de l'environnement, la déforestation, les agricultures intensives, tout ça, ça marche ensemble. Et tous ces phénomènes-là conduisent à une autosélection des pathogènes. Et les pathogènes les plus graves s'autosélectionnent. Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de pathogènes. Les pathogènes qui sont sélectionnés sont forcément les moins sympas. Les pires des pires ont tendance à être tellement pathogènes qu'ils s'auto-éteignent. C'est-à-dire qu'une épidémie qui est très contagieuse, mais très, très, très mortelle, très mauvaise, mais il n'y aura pas, par exemple, de porteur sain. Il n'y aura pas cette phase au début où on peut contaminer tant qu'on n'est pas symptomatique. Donc, ça limite la dissémination. Ce qui est très difficile avec le Covid, c'est qu'on a peu de signes ou pas de signes quand on est déjà contaminé. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose à retenir. Je vous disais, il y a 300 000 virus inconnus. Hein. Il y en a beaucoup, beaucoup. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on travaille. Il y a beaucoup de laboratoires P4 sur la planète. Enfin, beaucoup. On est entre 1 et 3, 4 sur les grands pays, par grand pays. Ils ont été numérotés à peu près 450 accidents de manipulation sur les 20 dernières années. Alors certes, on peut ou pas redouter ce qui peut se passer sur des problèmes, mais dans tous les cas, c'est quelque chose à notifier. Ensuite, il faut savoir que les chauves-souris représentent 1/5 des mammifères sur Terre. Et en tant que mammifère, on fait partie un petit peu de ces mêmes groupes de virus, coronavirus, qui peuvent passer avec un hôte et venir nous infecter soit en direct, soit en indirect, puis après être en transversal. Donc, c'est un énorme réservoir de virus, 1/5 des mammifères sur Terre, des chauves-souris. C'est un véritable problème. Et puis après, il y a cet autre problème aussi qui fait que vous vous souvenez probablement du scandale en 2009 à l'OMS, où il y avait eu des conflits d'intérêts qui avaient été un petit peu sortis. Et c'est jamais simple. Et en même temps, il n'y a pas de science sans partenariat. J'en sais quelque chose, j'ai des partenariats. Et on sait très bien que s'il n'y a pas de partenaire, il n'y a pas de congrès. S'il n'y a pas de congrès, il n'y a pas d'avancée. Enfin, voilà. Donc, il faut réussir à trouver ce qui est intelligent dedans, constructif, et pas du tout ce qui est malsain. Il ne faut pas stigmatiser les liens d'intérêt. Il faut faire une différence entre un lien de coopération et un lien de subordination. Je pense qu'il y a des vraies différences éthiques dedans et je sais que la plupart des personnes sont des personnes tout à fait belles là-dedans. Du coup, ça a des conséquences directes parce que, par exemple, le 2019, ça n'a jamais été aussi sec et aussi chaud en Australie. C'est pour ça qu'il y a eu des feux de forêt qui étaient exceptionnels et en fait, ça a tué a priori, on évalue à 1 million de milliards d'animaux tués. Et du coup, là, on est dans des dimensions qui nous dépassent complètement et qui dépassent le Covid. C'est pour ça que je vous proposais de prendre un peu de distance. Parce que là, on rentre dans une autre problématique avec des courbes qui sont un petit peu plus inquiétantes et contre lesquelles l'effet domino n'est même pas calculable. Donc, c'est vrai que j'ai été agréablement surprise, par contre, par ce résultat du sondage. 80% des personnes du sondage ont considéré que c'était l'occasion à saisir pour changer en profondeur. Et ça, je vous avoue, ça me parle. Ça me parle, d'autant plus que ce petit virus-là, il nous a montré qu'il est capable de réussir là où tous les autres ont raté, que ce soit le GIEC ou tout le reste. Donc, globalement, je pense que c'est peut-être une belle chose. Ce qui fait que quelque chose est beau, c'est ce qu'on en fait. Ce n'est pas ce qui nous arrive. Donc, à chaque fois, vous savez, et ce qu'on dit toujours, un leader, ce n'est pas celui qui prend la bonne décision, c'est celui qui transforme la décision qu'il prend en une belle trajectoire et une belle opportunité. Donc, je voulais vous rappeler qu'il y avait 55 millions de décès dans le monde par an. Et qu'au niveau de ces décès, ben forcément, on n'est pas du tout
dans ce qu'on imagine, parce que au niveau des cours, je suis désolée, je me suis en deuxième écran pour ne pas être gênée par les écrans sur le côté. Le requin qui nous fait peur tue à peu près 4 personnes par an. La grippe saisonnière, c'est 600 000. Le sida, 700 000, ça a énormément baissé ces dernières années. Il y a 800 000 personnes par an qui sont mortes de suicide. Et après, tout le reste, ça va être la vie moderne avec les accidents de la route. On oublie la tuberculose, cette pandémie qui n'est toujours pas maintenue. Mais les morts par Alzheimer et démence sont explosées. C'était, avant, c'était dans les 20 plus grandes causes de mortalité. Maintenant, c'est dans les 10 plus grosses. Et puis après, on arrive sur l'alcool, le tabac, la pollution. La junk food, 11 millions à cause de la junk food, 17 millions à cause des maladies cardiovasculaires, le syndrome métabolique. Il faut savoir qu'on est dans un cas d'une population mondiale qui est expansive. Ça veut dire qu'en 2019, on est 7 milliards, alors qu'en 2000, on n'était que 6 milliards. Et on imagine, les experts, qu'en 2030, on sera 8 milliards. C'est-à-dire qu'on a un accroissement brut de l'ordre de 1,1%. Donc, c'est sûr que là-dedans, peut-être qu'une régulation de temps en temps, c'est horrible à dire, mais c'est peut-être la santé. Surtout qu'on voit que la population a fait une répartition parfaite. C'est compliqué, surtout quand on met en perspective avec l'évolution de tout ce qui se passe au niveau de la planète. Et du coup, il y a cette phrase de Grégoire Lacroix que je trouve vraiment, c'est un petit bijou. Parfois, on appelle un imprévu un événement dont on connaissait les causes, sans imaginer qu'elle pouvait avoir de telles conséquences. Je pense que c'est ce qui illustre exactement magnifiquement ce qu'on vit. Et alors, je crois qu'il est plus que jamais temps de prendre un tout petit peu de recul sur tout ça. Se poser dans le canapé, c'est pas idiot. Redéfinir tout ce qui nous entoure, nos choix de vie, le pourquoi on vit, le qu'est-ce qu'on fait, le comment on le fait, le comment on va faire demain, comment on veut les relations entre nous. Est-ce qu'on a envie de chanter tous les jours à 20h et de continuer ou de se refaire la gueule demain? En fait, on est responsable de tout, on est capable de tout. On est les mêmes qui créons et qui faisons. Et on est souvent une génération qui attend des autres de faire. Alors qu'en vrai, il tient à chacun, c'est l'effet colibri, d'être l'élément qui crée aujourd'hui et demain. Donc, je pense que c'est une plutôt belle opportunité. Je vous remercie énormément de votre écoute et je suis à vous pour toutes les questions. Oui, Carole, merci beaucoup pour cette belle conférence qui a apporté énormément d'informations à tous les confrères présents. Alors, pour ma part, tu m'as un peu fait baisser mon moral parce que ça semble pas être facile de s'en sortir. Ça semble peut-être aller pas trop mal pour l'état de santé des gens en général et des dentistes en particulier, à savoir que la plupart des gens contaminés s'en sortent avec une pathologie passagère, même si malheureusement il y en a qui sont plus atteints, il y a encore trop de décès. Par contre, sur l'exercice professionnel, il semble qu'on va beaucoup souffrir et on est loin d'avoir trouvé les solutions. Apparemment, tout semble inventé. J'ai pas mal de questions, certaines concernent la maladie et d'autres concernent le cabinet. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on commence par les questions concernant la maladie. Alors, la première question que j'ai, c'est est-ce qu'il y a une manière de... Tu as parlé du choc cytokinique. Est-ce qu'il y a possibilité de prévenir ce choc cytokinique? Alors, on va se mettre tout de suite d'accord. Je ne suis pas réanimateur. Je suis que dentiste, un petit peu musicienne. Parfois, je dessine. Parfois, je fais du parapente. Donc, ça veut dire que je suis experte en rien. Et même dans mon domaine, tous les jours, je me remets en question. Donc du coup je vais faire très attention et je vais vous demander de faire encore plus attention à mes réponses, honnêtement. Donc vraiment, on va imaginer que là on partage entre amis plus qu'autre chose et je ne vais pas me positionner, je ne suis pas conférencière clairement là-dessus. Donc ça c'est différent, je vous ai fait une présentation et je ne vous ai pas présenté mes travaux. Quand je présente ma chirurgie, c'est ma chirurgie, j'ai mon expérience, j'ai fait 3000 greffes d'os, je parle de ce que je fais, là c'est différent. Ce choc cytokinique, manifestement, il y a beaucoup d'études qui disent que sur le stade tardif, donner des anti-inflammatoires corticoïdes peut marcher. Et c'est fait, et c'est pratiqué, c'est parti aussi de certains protocoles. En fait, quand on regarde ce qui se passe dans ces chocs cytokiniques, on se rend compte que beaucoup de personnes ont ce type aussi de conséquences sur d'autres types d'infections. Et ça explique comment il y a d'autres mortalités sur d'autres zones d'infection. Je dis, moi, le plus gros espoir que j'ai par rapport à ça, c'est que ça va nous permettre de décoder beaucoup d'autres choses derrière. Là, on voit les morts que ça crée. Il faut aussi voir les vies que ça va sauver grâce au progrès qu'on est en train de faire. Là, on est en train de faire un maximum de bons en avant, de compréhension et de partage. Et on va changer notre façon aussi d'apprendre, de gérer la connaissance. Tout PubMed quasiment autour du Covid est accessible.
Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer par rapport à ça. Les webinars sont en train de changer. Il y a beaucoup de choses sont en train de faire. Donc, évidemment, c'est pas tout rose. Évidemment. Mais après, il faut savoir que dans les personnes qui décèdent, malheureusement, il y a des personnes qui auraient de toute façon décédé, qui n'étaient pas en super forme. Quelqu'un qui a 92 ans qui décède, ça fait moins bizarre que quand c'est une jeune de 16 ans. Parce que voilà. Après, le piège aussi, c'est qu'on est en train de se rendre compte que la moyenne d'âge en réa est en train de chuter, elle est en train de descendre. Et suivant les pays, ce n'est pas la même. Il y a des endroits où elle est à 50, 60 ans, 70 ans. Au début, c'était 80 ans. Donc, c'est vraiment en train d'évoluer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne sait rien. Aujourd'hui, on sait la première vague. Et les plus fragiles sont ceux qui partent à la première vague. Ça ne veut pas dire que c'est les seuls à partir. Et je vous ai expliqué tout à l'heure tous les phénomènes biologiques, physiologiques qui vont jouer sur ce qui peut créer la dangerosité de la maladie. Comment prévenir du choc cytokinique? Mais déjà, soyez en pleine forme. Arrêtez de bouffer n'importe comment. Arrêtez de ne pas faire de... Faites du sport. Je vais parler en positif. Faites du sport. Buffez bien. Interdisons les produits préparés. Interdisons les produits avec des pesticides et des perturbateurs endocriniens. Coupez les micros, s'il vous plaît. Coupez les micros. Non, mais voilà. En fait, il faut comprendre que là, il faudrait que les personnes reprennent conscience que la vie, ce n'est pas que bosser, qu'on n'est pas un animal qui doit être enfermé toute la journée. On doit vivre dehors, on doit avoir de l'activité physique, on doit avoir du partage. Il n'y a pas de bonheur sans mélange social. D'accord ? Il y a tout ça. Donc, en fait, le choc psychotinique, si quelqu'un est en pleine forme, il n'a pas toutes les pathologies métaboliques qui vont avec les excès de bouffe, la mauvaise bouffe, les déséquilibres, le stress, etc. Tout ce qui va jouer sur l'épigénétique, déjà, on en a beaucoup moins. Parce que ce que je vous disais, c'est que ça va être un peu le reflet de, on va dire, de l'immunité innée et dans l'état dans lequel elle est avec l'expression génétique. Voilà. Est-ce que j'ai répondu ? Très, très bien. J'ai des questions sur les décontaminations des surfaces, des cabinets et des bouches. Alors, sur les surfaces, dans les études que tu as lues, quel est le produit qui marche le mieux pour la décontamination des surfaces ? Oui. Oui, c'est un oui. Non, en fait, globalement, on sait que tous les produits qu'on a, nous, sont efficaces sur les coronavirus. Vous avez tous remarqué, même au tout début, quand il y a toujours des spécimens qui veulent trouver du complot partout, même s'il y a évidemment des endroits où il y a du complot, mais pas non plus du complot partout. Il y en a, ils prenaient en photo des gels désinfectants en disant « Vous voyez, c'est contre les coronavirus et c'était déjà avant. » Il était fabriqué en 2008. Donc, évidemment, les coronavirus, je vous disais, ça existe depuis très longtemps. Et on pense depuis plus de 8000 ans, hein, les coronavirus. Et nous, on les a identifiés à peu près dans les années, je crois, 70. Donc, ça fait un petit moment qu'on les connaît. Et tout ce qui est nos antiseptiques habituels sont efficaces. Sinon, ils n'auraient pas la norme. Hein. Donc, soyons clairs là-dessus. Vous avez du produit qui a des normes aujourd'hui. Il y a la norme CE, vive l'Europe. Voilà, ils sont efficaces. Par contre, les ionisations, je ne sais pas si les ionisations sont efficaces. Les UV, normalement, c'est efficace. On ne sait pas comment c'est efficace, au bout de quel temps, combien de temps d'application. Moi, j'ai travaillé à l'hôpital quand j'étais jeune, hein, quand j'avais 25 ans. Je bossais dans un hôpital qui avait beaucoup de tuberculeux. Je faisais 2 vacations par semaine. C'est l'hôpital de Bligny, s'il y a des personnes qui sont de là-bas. Voilà, c'est un endroit qui a beaucoup compté pour moi. Et en fait, quand on avait des tuberculeux, j'avais déjà le masque canard à l'époque, hein, qui était toujours orange. Et le protocole, c'était ouvrir les fenêtres 10 minutes après chaque patient. Voilà. C'est les patients quand même qui avaient des antibiothérapies sur plus d'un an. Hein. Donc, on n'avait pas envie de choper leur virus, hein, leur bactérie. Leur bactérie de coque. Ça marche ? Carole, mais il n'y avait pas de pulvérisation dans les surfaces, type nocospray, ce genre de choses. Alors, si tu me demandes, moi, qu'est-ce que je fais personnellement dans ma pratique ? Non, mais c'est ce que je fais dans ma pratique. Nous, au cabinet, dans la salle de chirurgie, tous les soirs, on a une aérodécontamination de chez Agnos. Après, on est toujours ouvert à réfléchir sur les nouveaux procédés d'aérodécontamination qui font air et surface. Par contre, il semble impératif demain, mais moi, je l'ai depuis tout le temps, l'aérodécontamination. Donc, c'est pas nouveau, hein. Normalement, on devrait tous avoir ça depuis longtemps. Mais là, ça va nous rappeler à tous, et puis maintenant, ça va prendre encore plus de sens. Parce qu'avant, clairement, le quart des germes qu'on avait, au bout de 10 minutes sur une surface inerte, ils étaient plus contagieux. Là, c'est plus pareil. Donc, du coup,
ça va vraiment prendre une dimension, une importance. Il faut que le personnel médical, les assistantes et les femmes de ménage des cabinets aient une formation et des protections et des conseils différents d'avant. Moi, la personne qui fait ménage au cabinet, elle vient, elle se change, elle met des surchaussures et une charlotte car elle est dans la salle de chirurgie. Ça paraît logique. Est-ce que tu penses qu'il faut faire rentrer les patients systématiquement avec des surchaussures? Moi, c'est éventuellement. Ouais. Moi, c'est déjà le cas. Mais, moi, c'est pas chez moi aussi. C'est pour ça que je te pose la question. Mais pour l'instant, l'idée, ça ne va pas être ça. L'idée, ça ne va pas être ça. L'idée, ça va être de ne pas laisser rentrer des patients avec les germes. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de virus qui rentre au cabinet. Donc, ça va être de mettre en place des systèmes de routine, à mon avis, par les secrétaires déjà, qui vont faire un pré-filtre, qui vont prescrire, à mon avis, les tests. Donc, il faudra avoir les résultats quelques jours avant pour limiter les trous dans le cabinet et pour organiser un planning différent et des grands rendez-vous et des grandes séances avec peu de patients. À mon avis, ça va peut-être être ça, dans un premier temps, la sécurité. Alors, est-ce que, Carole… On reste pas à poser une question. Oui, Carole, tu penses que le tri à faire sera d'abord le test sérologique à poser systématiquement au patient Je te coupe. Dans la présentation, j'ai expliqué qu'on pouvait avoir une sérologie positive, donc être immunisé, mais être encore contagieux. Alors, j'entends IgG, IgM et IgG. Soit la personne, elle a fait le test il y a plus de 3 semaines. Donc il faut qu'elle ait des IgG-IgM il y a plus de 3 semaines. Si ça fait plus de 3 semaines, normalement, nous, il n'y a plus de risque. Donc, une première réponse sur la validité effective de la sérologie. Alors, la validité, je vous ai dit dans la présentation, c'est 100% de succès s'il faut faire 15 jours après le début des signes. C'est déjà encourageant. C'est hyper encourageant. Bien sûr. On va essayer de mettre dans la balance ce qui est encourageant par rapport au reste. Après, je vous dis, après, on va remettre en perspective tout ça parce que ce qui est beau, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on a oublié, on oublie d'être modeste souvent. Le corps médical oublie d'être modeste. On oublie qu'on ne sait pas tout. Je m'en rends compte parce qu'il n'y a qu'à voir comment on est capable, suivant les groupes avec lesquels on est, d'avoir des convictions complètement différentes. Comme si à l'arrivée, on voit bien qu'il y a plein de façons de faire des rejets, il y a plein de façons de faire plein de types d'actes, il y a plein de façons de choisir ces types de prothèses et tout. Et on voit bien qu'on n'est jamais capable de se mettre d'accord. Donc, du coup, il n'y aura pas de pensée unique non plus, mais par contre, là, il y a un esprit global, critique, constructif. Ça veut dire que l'idée, ce n'est pas de dire des choses pour que demain, on puisse dire « Ah, espèce d'idiot ou d'idiote ou machin, t'as dit ça, c'est faux. » L'idée est de dire « À tel moment, on a fait un instantané de ce qui paraissait être le plus crédible par rapport à des analyses fiables et sérieuses et on en tire, avec le principe de précaution et un peu de bienveillance, des règles de comportement sur une période immédiate, et qu'on va tout le temps remettre en question et en perspective et en doute pour se dire, attention, est-ce que les nouvelles infos que j'ai ne changent pas? Exactement comme quand vous avez dû remarquer il y a 15 jours, j'ai fait partie des personnes qui avaient publié sur les réinfections, la résurgence ou le retour avec le choc psychotinique. Et pareil, 15 jours après, c'est de l'acquis. Donc, ça évolue après. Oui. Carole, moi, du coup, ce que tu me dis, ce que tu nous dis là, nous amène, Franck, à prévoir tout simplement la même chose dans un mois, prendre date dans un mois, puisque dans un mois, on ne sera pas rentré dans le cabinet, on aura déjà mûri. Oui, dans un mois. Et dans un mois, on pourra se projeter sur éventuellement la mise en place dans les cabinets. Et là, ce qui serait bien, alors moi, je tiens à remercier énormément, beaucoup de confrères, certains avec qui je n'avais pas échangé depuis très longtemps. J'ai dedans des amis numériques que je n'ai jamais vus en vrai, des vrais amis que je vois régulièrement. Et je suis retombée aussi sur un de mes anciens profs que je respecte énormément, avec qui j'ai la chance et le plaisir du coup d'échanger, de partager, en général. Il faut savoir qu'il y a des confrères qui, du coup, se sont mis à m'envoyer des articles, des choses
Il y a Caroline Boll qui fait un travail qui est génial. Il y a Michel Sitsou qui fait un travail qui est génial. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont des personnes pour qui j'ai une grande admiration. Mais ce n'est pas les seuls. Hein. Sur Dentiste de France, il y en a beaucoup qui ont fait des publications. On s'inspire tous mutuellement. Et ça, c'est quelque chose, j'espère, qu'on va réussir à garder. Et c'est vrai que comme ce sujet-là, ce Covid, il ne nous concerne pas nous direct en tant que dentiste, au sens où ce n'est pas comme quand on parle d'une ROG, d'une technique qu'on fait nous. Mais du coup, il y a moins d'ego chez nous. Il n'y a pas ce problème d'ego. Et du coup, ça aide à l'échange, au partage. Et ça, je serais très heureux si on arrivait à le garder, même quand on parlera de nos techniques. J'ai encore des questions sur les tests sérologiques, parce que dans l'esprit des gens, visiblement, c'est un peu confus. Donc, ce que comprennent nos confrères, c'est qu'il faut avoir un test sérologique de plus de 21 jours avant de pouvoir et reprendre le travail. Non. Et soigner un patient. Donc précise les choses, précise les données, parce que on a du mal à y voir un tout petit peu clair. Super, merci. Alors, je suis désolée, c'est moi qui ne suis pas claire. Hein. Forcément, si j'avais été claire, il n'y aurait pas eu cette question. Du coup, la sérologie, d'accord, quand on la fait, pour qu'elle soit fiable, il faut être à plus de 15 jours après le début de l'infection. Sinon, elle n'est pas fiable. Donc, c'est 100% de fiabilité de la sérologie 15 jours après. Par contre, au moment de la sérologie, on peut encore être contagieux. Par contre, si on est 15 jours après l'infection et qu'on attend 3 semaines ou 4 semaines de plus, là, ici, à ce stade-là, on a validé qu'on n'était plus contagieux. Donc, les personnes safe, c'est les personnes chez qui on a plus de 15 jours, 3 semaines minimum après la sérologie. Alors, posé autrement, entre le premier contact et la guérison, on va dire finale, il se passe 5 semaines. Alors, très bonne question. Tu as vu au début, je vous ai montré un premier schéma du Financial Times qui fait un travail épidémiologique remarquable. Ce schéma, si vous avez fait attention, il serait parti sur 27 jours, qui était une date un petit peu, qui était posée comme ça, il y a déjà à peu près un mois et demi, 2 mois. Les derniers travaux où on a inclus les prélèvements des selles, qui n'était pas le cas au départ, ont montré qu'on pouvait avoir jusqu'à 20 jours après la fin des prélèvements négatifs au niveau des voies aériennes supérieures, des prélèvements encore positifs. Ce qui veut dire qu'en France, aujourd'hui, dans les services, ils ont tendance à garder les personnes parfois jusqu'à 4 semaines pour être sûr. Mais tout ça, c'est avec des pincettes. Hein, d'accord ? Là, je vous dis, je vous retranscris des choses où déjà, on va lire 15 jours. Le personnel de santé, on leur demande d'être absent juste une semaine, par exemple, avant de retourner au boulot. Hein. C'est qu'on voit qu'on manque de personnel de santé. De poids, de mesure. Et personnel de santé, au bout d'une semaine, tu retournes, tu n'es pas personnel de santé, tu attends 4 semaines. Et pour l'instant, on parle encore de la 14e thérapeutique quand vous faites un arrêt médical de 15 jours. Donc, c'est forcément, c'est un peu comme quand on vous dit allez au théâtre, sortez plus de chez vous, allez voter, et on a fermé les écoles. Si vous voulez, c'est le problème, c'est qu'on nous donne toutes les 10 minutes une info contradictoire. Donc là, pour garder la tête simple, c'est vous êtes contaminé, vous mettez, vous savez qu'au bout de 15 jours, les anticorps ils sont fabriqués. Donc vous faites une sérologie, elle est fiable. Vous attendez 3 semaines de plus, logiquement, là, vous savez que vous êtes plus contaminé. Donc ça veut dire qu'on a 5 semaines. 5 semaines, c'est le chiffre sensiblement, n'est-ce pas? C'est bon. Voilà. Mais d'ailleurs, Carole, toujours pour aller dans ce sens, au-delà du fait d'être contaminé, donc on doit soit personnellement, quel que soit le praticien ou nos amis ou doivent à tout prix s'isoler pendant ces 5 semaines. Alors la quarantaine, je comprends même pas que en janvier, il n'y ait pas une éducation. Ça veut dire qu'on est capable de nous éduquer. On est capable de transmettre de l'information quand on veut la transmettre. Et en fait, longtemps, on nous a éduqués en nous disant « lavez-vous les mains ». D'ailleurs, dès qu'on voit quelqu'un se laver les mains, trois quarts du temps, on voit que la personne ne sait pas se les laver. Donc, il faudrait déjà montrer comment on se les lave mal. C'est-à-dire faire des tutos, c'est dire « t'as regardé quelqu'un, il met du savon, il lave ». Mais non, il fallait d'abord mouiller les mains, puis mettre du savon. Et après, c'est « tu mets du savon, mais tu frottes comment ? Tu frottes combien de temps ? Tu t'arrêtes où ?» Et tout dépend de ce que tu as fait, de la logique. Donc en fait, je pense que c'est comme les vidéos, vous voyez, des micro-gouttelettes. Quand on veut faire une démonstration, on sait la faire.
Et là, il n'y a pas eu de démonstration, il n'y a pas eu de compréhension. Et il y a un manque d'éducation de la population à tout ça. Et je pense que ce qu'on devrait en tirer déjà comme enseignement, c'est qu'il devrait y avoir ça. Plus d'éducation. Mais on n'a jamais appris aux gens à se brosser les dents. J'ai plusieurs questions, Carole, sur la deuxième vague. Comment est-ce que toi, tu imagines la deuxième vague des informations que tu as? Tu n'as pas forcément, d'ailleurs. Alors, j'espère que je pourrais l'imaginer avec mon parapente, parce que quitte à être bloqué en Savoie, je jure, quand je suis dans mon jardin, je vois le décollage de Vérel, c'est très, très pénible de voir un parapente qui prend de la poussière, j'ai mal pour lui. Surtout que ce n'est pas quand on fait cette activité que je vais contaminer. Alors après, je prends des risques, si je vais à l'hôpital, ce ne sera peut-être pas bien. Donc, je peux concevoir qu'on ne fasse pas d'activité à risque dans cette phase où les hôpitaux sont chargés, ça, je comprends. Par contre, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on devrait avoir un confinement intelligent. Je suis pour qu'on augmente les restrictions collectives. Moi, je ne serais pas choqué qu'au supermarché, tu n'aies plus le droit de rentrer, qu'il y ait déjà des caddies dehors et que dans le caddie, tu ne choisisses pas. Tu as des pâtes, des tomates, des trucs tout bêtes. Et tu prends un pack dedans et tu ne rentres plus dans un supermarché. Il n'y a plus ces échanges-là. Et tu payes par virement avant et tu montres que tu as payé par virement avant. Comme ça, il y a plus de... on serait capable de le faire. Donc, moi, je suis pour qu'on augmente et qu'on fasse comme du drive dedans, comme pour faire les tests. Moi, je suis pour qu'on augmente les restrictions là où il y a vraiment du mélange humain et du risque de contamination. Et je suis pour qu'on libère intelligemment à côté parce que, évidemment, ce n'est pas des vacances. Et si demain, je suis coincé ici, que je ne peux pas aller bosser, ben, il vaut mieux que j'aille faire du vélo, que je fasse rien parce que ce n'est pas parce que je vais faire du vélo que je suis en vacances. Et je ne vais pas en faire de toute façon 12 heures par jour. Vous voyez, là, j'aurais pu être en vacances. Et j'ai bossé comme une acharnée pour préparer une présentation. Donc, l'idée, elle n'est pas là. On se rend tous utiles à notre façon. Moi, je me suis rendue utile comme ça. Mais voilà, chacun trouve son chemin. Mais je pense que là-dessus, il y a un non-sens. C'est qu'on n'est pas dans un apprentissage. On n'est que dans de la répression. On n'est pas dans du guidage et de la logique. Et du coup, une règle qui n'est pas légitime est mal suivie. Ça, je pense que c'est un truc à méditer. Franck, on me pose une question sur l'immunité collective. En fait, est-ce qu'en déconfinant tout de suite les personnes ayant déjà été contaminées, on ne permettrait pas à l'immunité collective de progresser plus vite? Bien sûr. Alors, l'immunité collective, en fait, c'est le darwinisme social. En fait, hein, c'est la façon jolie de dire ben, on laisse courir, c'est-à-dire, et donc les plus résistants s'en sortent. Hein, c'est pas que le. Mais il y a un mi-chemin entre les deux quand même. Il y a un mi-chemin en confinant probablement les personnes les plus fragiles. Tu vas en Suisse, c'est un confinement partiel. Voilà, oui, complètement. Encore, il faut faire appel à l'intelligence des personnes. Nous, on a des confrères. Tu autorises aujourd'hui à bosser, il y a des confrères qui vont bosser. Et on sera le pire cluster. D'accord? Parce qu'on a tous une pression financière énorme. Je ne connais pas un dentiste qui n'ait pas les crédits, ça n'existe pas. Dès qu'on va, on va changer de plan de vie, on va s'acheter des trucs et tout, on est le roi du crédit. On fait des gros chiffres d'affaires, mais on dépense beaucoup. Et du coup, les dentistes, forcément, tu nous dis, tu n'as aucune entrée, tu as toutes les sorties, les crédits, et on te propose à peine de lisser le reste. Forcément, tu as besoin de travailler. Et si on t'autorise à travailler, tu vas travailler. Et le problème, c'est que tu es potentiellement un cluster, ce qu'on ne peut pas gérer. Vous avez vu les normes? Les tenues, les protections qu'ils utilisent juste pour faire des prélèvements, juste pour aller retourner quelqu'un, juste pour faire des soins à quelqu'un. Et nous, là, on parle d'aller faire du spray, de la brumisation, de la volatilisation et de l'aérocontamination sur un des sites qui peut être les plus producteurs de virus. Ça paraît absolument impossible tant que la population n'est pas entièrement immunisée, pratiquement. Voilà. C'est clair. Plus on réouvre, ben, plus on surcharge les salles de réa, donc plus on remplit les couloirs, hein, globalement. Donc après, ils font des choix. Il y a des personnes comme ça, il y aura des héritages un peu plus précoces. Bon, ça fait exactement 1h45 qu'on est en ligne. On était parti pour 30 minutes. Donc, je vais surtout te remercier pour cette enquête, cette jolie présentation qui a été très enrichissante pour l'ensemble des confrères. Carole, oui, dis-moi André, vas-y, je t'écoute. J'aimerais vraiment donner la parole à Michel Sixou dont tu as parlé. Ah, il est là. Il a posé quelques questions. Est-ce que tu permets qu'il intervienne éventuellement
Carrément. Je suis là, Carole. Ah, génial. Bonjour, Michel. C'est la seule personne qu'on autoriserait de l'audience. Oui. Il reste quand même à 200, hein, alors qu'on était plus nombreux. Et j'aimerais bien, Michel, s'il te plaît, que tu... Voilà, éventuellement que vous dialoguiez, Carole et Michel. Vous pensez possible? C'est possible, ça me fera très plaisir. Carrément. D'abord, je tiens à féliciter Carole pour sa présentation. Ensuite, effectivement, on échange depuis un certain temps sur ce sujet, puisque je prépare un ouvrage sur le sujet où j'aimerais associer Carole, donc toi, c'est une première. Donc, je réfléchis à ce sujet depuis un certain temps. Et j'ai vu des questions passer en particulier sur la notion de transmission, de confinement. Et j'ai tendance à essayer de prendre du recul, à réfléchir par rapport aux anciennes épidémies. Qu'est-ce qui s'est passé sur les anciennes épidémies? Comment elles ont évolué? En fonction de ça, en tirer des conclusions pour comment gérer celles-ci. Alors, l'histoire du confinement, par exemple, la grippe espagnole en 18, premier réflexe des politiques, nier l'épidémie. Deuxième réflexe, confiner. Troisième réflexe, mettre des écrans. On a porté des écrans et des masques en 18 pendant un an. Et l'épidémie s'est arrêtée au bout d'un an et demi, au bout de trois vagues. Il y a eu trois vagues. La deuxième était la plus mortelle. Et toutes les épidémies qui ont eu derrière, les pandémies, ont évolué à peu près de la même façon, sauf celles qui ont disparu pour des raisons qu'on ne connaît pas. Mais l'homme n'a jamais réussi, par ses actions médicales, à véritablement contrôler une pandémie. La pandémie s'est arrêtée d'elle-même quand elle a contaminé l'ensemble de la population mondiale, qui a eu un niveau protecteur mondial. Et ensuite, elle est restée à un niveau endémique. La grippe espagnole, par exemple, jusqu'en 1953, elle n'a pas bougé. Chaque année, revenait la grippe espagnole. Et comme on était protégé, il n'y avait plus que peu de morts. Le virus a muté en 1953, a remuté en 1968. Les deux épidémies de mutation ont fait 4 millions de morts en 1953 et en 1968. Donc, on est toujours aujourd'hui, notre grippe actuelle, c'est la grippe espagnole qui a muté. Et aujourd'hui, une des idées qu'on en a, c'est que la pathologie actuelle, le virus actuel, risque de devenir la future grippe dans un an ou deux ans. Donc l'épidémie va évoluer naturellement sur plusieurs vagues. Alors, les pays qui ont le plus protégé dès le départ prennent des énormes risques de deuxième et troisième vague. Les pays qui n'ont pas confiné ou mal confiné, il est probable que la seconde vague sera très légère. Exemple la France, on a eu un mauvais confinement. On peut penser que la deuxième vague ne sera pas trop méchante. Par contre, actuellement, des pays comme la Corée, des pays comme Singapour sont très inquiets car ils ont une deuxième vague qui arrive, ça y est, elle a démarré. La Chine, ça a redémarré aussi. Ils ont recommencé à confiner certaines provinces. Donc, on est dans l'histoire naturelle des pandémies, mais il semble que l'homme a une mémoire courte. Donc, Michel, j'ai une question pour toi. Moi, d'abord, je suis ton ancien élève du DU de Paro de Montrouge, il y a déjà très longtemps. Je te passe le bonjour. As-tu idée du pourcentage de la population qui a été actuellement contaminée? Et est-ce que ce pourcentage est beaucoup plus élevé chez les confrères, chez les chirurgiens dentistes? Alors, le pourcentage de la population, depuis le début, tu prends le chiffre officiel en France, tu multiplies par entre 10 et 100. Et tu as le chiffre réel. D'accord. Donc, sachant qu'en France, on teste très très peu. Donc, il faut multiplier plutôt par 100 que par 10 pour avoir le chiffre réel. Aujourd'hui, il devrait y avoir aux environs de 4 à 8 millions de populations qui sont contaminées. Les chiffres, alors, un épidémiologiste anglais du Royal College, et c'est la personne qui a influencé nos hommes politiques à prendre la décision de confinement, il a donné des modèles. Il estime qu'effectivement, il faut qu'on arrive à entre 50 et 60 % de la population pour que l'épidémie se calme. Donc, il faut encore un bon mois de contamination. Alors, le confinement ralentit le processus, mais allonge la pandémie. Ça veut dire que le confinement va nous obliger à avoir plusieurs mois de plus, donc on parle de 6 mois maintenant, les conséquences de cette épidémie qui aurait dû durer normalement que 2 à 3 mois. Donc on a moins de cas graves, ils arrivent plus lentement, et ça va durer plus longtemps. Du coup, je l'ai dit, c'est comme ça que le confinement nous a été présenté, pour éviter d'envahir les hôpitaux et d'avoir trop de réanimation. C'est préserver le système de santé qui aurait explosé. Alors, ce n'est pas tellement réanimation, certes, mais ce n'est pas que ça. C'est toute la comorbidité des autres pathologies, car on aurait été incapable de prendre en charge autre chose. Ce qu'on oublie dans la morbidité actuelle, il y a des modèles de mortalité calculés, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont mourir d'autres choses parce qu'ils ne pourront pas être traités, parce que les services sont dépassés, parce que les professionnels de santé ne sont pas disponibles. Pourquoi il y a une réduction par deux du nombre d'infarctus du myocarde et du nombre d'AVC actuellement aux urgences?
c'est pas une pathologie liée au Covid. Comment ça se fait que ça va diviser par deux? Alors, on pense qu'il y a beaucoup de petits infarctus, de petits AVC avec des conséquences, des séquelles moins graves que les séquelles non vitales, mais qui vont laisser certainement un prix à payer pour une partie de la population. Actuellement, les maladies chroniques ne sont plus suivies. 85% des pathologies sont chroniques. Elles ne sont plus suivies. Les hôpitaux spécialisés psychiatriques ne reçoivent plus de patients. Depuis 3 semaines, les consultations psychiatriques sont arrêtées. Les patients sont laissés sans aucun suivi, à part des hotlines, etc. Donc, il y aura forcément une comorbidité liée à cette crise qui aujourd'hui est difficilement mesurable et qui a été mesurée par les épidémiologistes anglais qui ont fait des modèles, qui ont estimé qu'il y avait presque autant de morts par la maladie que par les conséquences associées. Merci beaucoup, Carole. Je crois qu'on va te laisser le mot de la fin pour la conférence, s'il te plaît. Carole, es-tu là? Oui, je suis là. Et voilà, je crois qu'il t'appartient de conclure. Déjà, j'étais. Je précise qu'on a beaucoup, beaucoup de compliments sur ta conférence. Voilà, c'est une avalanche. Une avalanche. Une avalanche. Voilà, tu verras les messages. Voilà, on te laisse conclure, Carole. Je vous avoue, c'est vrai que je n'ai rien pu voir de messages dedans. Donc, déjà, je tiens à m'excuser parce que c'est vrai que j'ai créé cette conférence pour là et j'ai commencé à la monter hier. C'est-à-dire, c'est à peu près. Sans mentir, j'ai dû travailler 21 heures ou 20 heures quasiment d'affilée. C'est-à-dire, ça fait 3 semaines qu'elle se construisait dans ma tête à nourrir les inputs. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand j'avais une idée, j'avais plus tendance à la dessiner qu'à faire un PowerPoint. Et grâce à vous, ça m'a obligé d'ordonner, de mettre de l'ordre et de la logique dans ce qui était... un ensemble d'informations, je crois qu'on est tous noyés, hein. On a tous trop d'informations. C'est en même temps anxiogène. Donc j'espère ne pas avoir été anxiogène pour vous, j'espère avoir été neutre, réaliste. Clairement, dans tout ce que j'ai dit, vous avez dû remarquer qu'il n'y avait pas d'opinion. Il y a un petit clin d'œil, je ne sais pas s'il nous a regardé, il y a Freddy, c'est un mec extrêmement intelligent qui fait du base jump, que je connais un tout petit peu, avec qui j'ai le plaisir de voler de nuit. Donc, c'est pas des choses qu'on fait tous les jours. Qui est extrêmement pro Didier Raoult et qui m'a dit genre non mais le seul vrai problème Carole c'est la chloroquine, genre ils font le seul vrai débat c'est ça. Et en fait j'espère que je vous ai montré que sur une heure de présentation il y avait 2 slides là-dessus, il y a eu 2 slides, pas parce que c'est pas important, je vous ai même dit il semble que ça marche même pour 2 raisons, et la raison pour laquelle ça semble marcher c'est même pas la raison pour laquelle ça a été donné au départ. Donc, c'est une double bonne raison a priori et c'est une très belle voie. Et par contre, vous voyez qu'on a 80% des médias qui sont, du temps aux médias, qui sont sur des fausses problématiques. Et je pense que là, on aurait tout à gagner à comprendre que c'est, encore une fois, le patient qui compte. Je ne dis pas ça pour revenir sur le sujet le plus récent, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on voit bien que le patient est le plus important. Michel, quand il explique les problèmes de pathologie chronique et les autres morbidités, quand on explique l'immunité collective par rapport à ça, etc., on est quand même en train de parler de l'épigénétique en mode dynamique et des impacts de toutes nos vies et de tout ce qu'on fait. Donc j'espère que réellement, et c'est pour ça que j'avais conclu ma présentation dessus, je pense qu'il faut qu'on redessine le futur. C'est-à-dire, je crois qu'il faut que nous, on réinvente notre exercice, mais ça, c'est un vrai petit détail. Nous, on est une anecdote sociale par rapport à ce qui se passe en termes de crise. Et je pense qu'il faut qu'on en fasse une chance, qu'on en fasse quelque chose de beau et de plus grand. Pas seulement d'un point de vue épidémiologique par rapport au virus, c'est savoir quand est-ce qu'on est où par rapport à la courbe. Mais le jour où on va se prendre vraiment les vagues de réchauffement climatique, etc. Et parce qu'on est déjà en plein dedans. Je sais pas vous, moi je suis en t-shirt, on est début avril, et il fait 26 degrés dehors et je suis en Savoie. Je crois qu'on... Et là, pourtant, je viens de parler de météo, c'est une blague, parce qu'on ne devrait parler que de climat. Mais on voit qu'il y a un vrai souci. Je vous ai expliqué aussi en fin de présentation que la résurgence de toutes ces pathologies, de toutes ces infections virales, c'était lié au mode de vie humain. Et ce n'est pas que parce qu'il y a un marché avec des Chinois qui ont une hygiène dégueulasse, avec des animaux exotiques qui leur servent d'aphrodisiaques honteux. Ce n'est pas que ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que ces animaux-là, on leur brûle leur territoire, on les met dans d'autres endroits, on les recompile, on change l'environnement. Et c'est ça qui aggrave et qui accentue ces modifications sur des virus qui ne demandent que ça.
ces types de coronavirus, c'est des mutagènes. Et si on recrée un environnement dans lequel c'est propice pour muter pour eux, il faut s'attendre à avoir de plus en plus des SRAS, des MERS, des COV2. Et après, ça sera le COV19, ça sera le COV20, COV21. Et je préférais qu'on parle de la COP que du COV. En attendant, la COP a échoué, le COV est en train de réussir. Donc, à nous de voir ce qu'on en fait. Bien, merci Carole. Ben, j'espère qu'on te retrouvera rapidement en dehors du COV pour un cours sur la régénération osseuse. Merci Michel. Pour donner rendez-vous à tous les présents sur les prochains webinaires d'Alpha Omega. Il y en a un demain consacré à la gestion de la douleur au cabinet dentaire. Il y en a un mardi de la semaine suivante, le 14, sur les nouveaux forêts implantaires, les forêts d'ENSA. Et il y en a un qu'on va partager avec Alpha Omega Toulouse sur la numérisation, la chaîne numérique entre le cabinet dentaire et le laboratoire prothèse. Vous retrouverez toutes ces infos sur notre Facebook, Alpha Omega Paris. Donc, je vous invite à revenir auprès de nous, auprès d'Alpha Omega, et je vous salue tous. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bravo. Bienvenue à tous et bon courage. Merci. Bravo. Bravo. Merci bravo. Beaucoup. Merci. Merci. Super, Carole. Bravo, Carole. Merci. Oh, Yves. Merci, Carole. Je suis suivi. Oh, mais il y a tout le monde, Anne-Marie. Bravo, Carole, et merci. Ouais, ok. Bon, à bientôt, j'espère. Bonjour, Carole, c'était top. Merci, ça marche. Très, très brillant, un travail énorme. Merci beaucoup, Carole, merci. C'était très intéressant. Ouais, c'était top. Bisous. À bientôt, Carole. Bisous. Et naturellement, il y a 10 jours de messages. À bientôt. Des messages oraux, Carole. Bravo. Bravo. Merci, Carole. Gros bisous, à bientôt. Bisous, merci. Et il y a Sylvia dans tout ce qui est mis aussi, qui a énormément compté pour tout ce qui est travaillé sur le microbiote. Ça fait partie des personnes qui ont compté, qui ont participé à la qualité de tout ça. Belle qualité, super, c'était magnifique. Bravo, un petit coucou du Maroc. Oh, bravo. Merci, Sad. Merci à vous. On avait même quelqu'un du Canada. Hein. C'est vrai. C'est oui, bon. Oui. Mais voilà, plus unique jamais. Je vous dis, c'est une grande famille et on va être de plus en plus proche. J'espère. Merci. On vous enverra une carte des participants. Mais dites-moi, Madame Lecomte, vous êtes d'Algérie ou vous êtes Ashkenaz? Un peu les deux. On pose la question, hein, c'est tout, hein, je ne veux pas savoir. Julien, on reste ensemble. Non, je crois que Julien va pouvoir couper. Oui. Et on salue tout le monde. Oui. Bon, tout a été enregistré. Donc, vous me direz ce que vous voulez que j'en fasse. Est-ce que je le mets sur YouTube et je vous envoie un lien? Vous me direz ce que vous voulez que j'en fasse. Bon, on m'a beaucoup posé la question de savoir si la conférence était visible sur YouTube. Donc, ce serait bien de la mettre et que les gens puissent la revoir. Oui. Je pense. Bien. On est d'accord. Carole, c'est toi qui nous donnes d'abord ton aval. Ben avec plaisir. Je sais pas, vous pensez que ça vaut le coup ou pas? Moi, je pense. Alors, Julien, je vais te reposer la question autrement. Tu as l'habitude de tous ces webinars. Comment tu vois la réactivité?